Bonjour, bonjour, on est en petite après-midi, pas du tout dans les horaires de d'habitude, mais c'est pas grave parce que je pouvais pas faire autrement, malheureusement, étant donné que j'ai un rendez-vous financier administratif très important dans 2 heures, donc je m'étais dit, au lieu de pas stream du tout, on va faire un petit stream calme, posé, et voilà, ça va être très cool aussi. De toute manière, la VOD elle sera disponible. Je compte mettre en ligne le let's play. Donc du coup, c'est pas du tout un souci. Alors, on a terminé en stream la dernière fois à Another Code, qui malheureusement ne peut pas être disponible en VOD parce que j'ai mes VOD qui ont fait n'importe quoi. Donc du coup, c'est pas grave, ça ce sera en ligne. Hotel Dusk, je vais voir si on le met en ligne ou pas. Et du coup là, les deux jeux vont s'interchanger sur la même tranche horaire, sachant que la semaine prochaine, il y aura peut-être ni l'un ni l'autre, tout simplement parce que le programme va être chargé. Donc le programme de la semaine prochaine, il est déjà existant, il est déjà là, il est blindé. Il y a vraiment juste si dimanche j'ai rien mais que j'ai envie de stream, là peut-être qu'on s'autorisera, une petite plage horaire pour soit Hotel Dusk, soit Another Code, je sais pas encore. Medieval, il est toujours d'actualité, il faut juste que je règle mon problème d'internet avec ma PS4, mais normalement tout va bien. On va pouvoir commencer une run d'Undertale que je voulais absolument caser. Et j'ai mis le jeudi à 17h parce que c'est l'horaire de fin de journée, tranquillou. Alice à 18h, ça change pas. Fallout à 20h, ça change pas. Et le premier épisode de la ref, sachant que le tableau sera mis en ligne sur Twitter normalement en milieu de semaine prochaine. Donc normalement, mercredi prochain, je pense que c'est pas mal. Je posterai le tableau sur les réseaux sociaux et je ferai tourner un peu l'information pour qu'on puisse commencer un premier épisode de la ref. Et ça va être très très cool. Donc là, on est parti pour un tout petit temps de jeu très rapide sur Another Code R qu'on va commencer ensemble. Je l'émule. Donc j'espère que ça va aller au niveau de l'émulation. Surtout au niveau du contrôle. Les contrôles, ça va être vraiment le truc qui va nous faire dire si le jeu est faisable en entier ou pas, tout simplement. Après, j'ai bon espoir que oui. J'ai vu qu'on pouvait brancher sa propre Wiimote sur le PC. Il faut que je vois si c'est faisable. Sinon, on fera la manette et il faudra juste que je m'arrange pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, hop. Ouh là là, la fenêtre du jeu est beaucoup trop grosse. Ouais, on va la réduire un petit peu quand même parce que on n'est pas, voilà, on a de la place, mais quand même, on va se calmer. Là, comme ça, c'est pas mal. Là, on est bien là. Ah, je peux même le mettre comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai mis Ashley un petit peu en retrait. J'ai laissé la version d'Ashley de Another Code, le premier, tout simplement parce que je ne la trouve pas en jolie version. Coucou Aurora, on est très tranquille aujourd'hui, il y a pas beaucoup de monde, on est entre nous, voilà. J'espère que tu vas bien du coup. C'est très tranquille, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est un stream très cool dans le sens où je suis, je vais pas stream longtemps parce que j'ai un truc de prévu aujourd'hui, un impératif, un rendez-vous un peu important. Et du coup, je m'autorise un début de let's play tout doux, tout calme. Pour pouvoir présenter le jeu et puis dans les semaines à venir on pourra switch entre les jeux, donc ce sera très très cool. On va couper la musique, mon petit Lofi qui est très très efficace, ça marche toujours ça. Et on va pouvoir tout simplement démarrer la session d'Another Code R, donc qui est sorti en 2009. Moi ça va très bien Aurora, j'ai eu un début de matinée très cool. Un petit peu, avec plein de trucs à faire, un petit peu partout. J'ai plein de coups de fil, plein de machins, plein de bidules. Donc c'est cool. Voilà. Par contre, on va peut-être... Alors, est-ce qu'on peut gérer le son? Ouais, alors attendez. Je gère le son, j'arrive. Hein. Voilà. Faire en sorte que ça nous gueule pas dans les oreilles non plus, c'est pas le but. Ok. Bon, je nous l'ai jusqu'à 16h. Après, il va falloir que je... Quoi, on peut déborder 16h30 à la limite si ça se passe bien. Après, malheureusement, je devrais arrêter, mais ce sera pour une prochaine fois de toute façon.
faire en sorte que ce soit pas désagréable à l'oreille. Là, normalement, ça devrait être bon. En fait, le seul problème que je vais avoir, c'est la gestion de la Wiimote. Parce que, bon, là, je joue la manette, du coup, donc j'ai dû calibrer mon truc. Ça va être c'est très sensible, en fait. Mais, let's go! J'avais fait continuer parce que j'avais testé une partie pour voir si tout était bien réglé. Donc cette histoire est dédiée à ma mère et à tous ceux que j'ai rencontrés à Lake Juliet. On suit bien sûr Ashley un petit peu plus après en fait le premier jeu. Donc pointer le centre du cercle, ok. Initialisation du processus d'identification. On retrouve un petit peu le premier truc avec la DS, on la voit en bas. Veuillez vous placer face à l'appareil photo. Hop, c'est moi. Donc là, il faut tout simplement qu'on centre comme ça. Veuillez centrer votre visage. Chtouk. Identification en cours. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Hein. Ça fait vraiment très très longtemps. Reconnaissance faciale terminée. Nom d'utilisateur, Ashley Mitsuki Robbins. Date de naissance, 25 février 1991. Le système a été débloqué. Pourquoi 25? Je sais pas pourquoi sa date de naissance, c'est ça. Message de bienvenue activé. Ma chère Ashley, j'ai quelque chose à te révéler. Par contre, le déroulement du texte, ça va être un peu galère. De ta mère, rejoins-moi à Lake Juliet. Ton père. Ok. Dual Another System, qu'on connaît bien. Démarrage. Qu'on a toujours sur nous, du coup. Ok. Maintenant, c'est tout en 3D. C'est un plaisir de l'avoir en 3D, c'est trop beau. J'ai reçu une lettre de mon père que je croyais mort. Il m'attendait sur l'île de Blood Edward. Après 11 ans passés à croire que je l'avais perdu à jamais, il rentrait à la maison avec moi. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Et il m'a à nouveau quitté. Et là, on voit à quel point c'est un... Richard est... Déjà, dans le 1, on avait un peu du mal avec lui parce qu'il est... Bon, il peut être un peu problématique, mais bon... Il s'est encore barré, ça la fout un peu mal. Hein. Il est parti travailler à GC Valley, un laboratoire de recherche situé près de Lake Juliet. Je rentrerai tous les week-ends, je te le promets. Ce sont ses dernières paroles qu'il a prononcées avant son départ pour Lake Juliet. J'aurais dû me douter qu'il ne tiendrait jamais cette promesse. Je ne l'ai pas vu une seule fois en 6 mois. Le père adorable et exemplaire. Et puis il y a 3 jours, j'ai reçu une lettre de lui. Une invitation à aller camper en famille, un peu comme une colonie de vacances, sans les copains. Il m'a aussi envoyé le dernier modèle de la DAS, ce petit appareil qu'il a inventé. Rejoins-moi avec Juliette. Quelle toupet, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi j'ai une vie. Je vais pas tout laisser en plan comme ça pour lui. Ce qui est très vrai, parce que quand même, notre pauvre Ashley, bon... Il est dur, je trouve, avec elle. Hein. Vraiment, il est vraiment dur. Donc 21 août 2007, Lake Juliette. On a même le droit à des petites cinématiques, mais avec le moteur du jeu, ce que je trouve vraiment pas dégueu, parce qu'ils auraient pu faire un délire très animé, machin. Là, c'est le moteur du jeu plutôt convaincant. J'aime bien. Donc, d'ailleurs, de voir les personnages en full 3D, c'est très agréable, surtout après avoir joué au premier jeu. Déjà, on retrouve Sayoko, qui visiblement a rencontré quelqu'un et qui s'est fait mettre dans un truc qui ressemble à Another, le truc qu'on avait testé la dernière fois. Transfert terminé, elle a transféré quelque chose dans un espèce de collier, en tout cas. Ça, c'est moi, c'est Ashley. Mielis! Mielis avec 2 L. Ça va, Ploupi? C'est très chill, hein. Je vais pas stream très longtemps parce que je dois aller quelque part, mais c'est très tranquille, ça va être très 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 chill. Oui, les cinématiques sont très très belles, effectivement. J'aime beaucoup le visuel. Merde, alors attendez, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Paramètres de la police. Ah, j'ai juste mis la police un peu plus grand, ce jeu, dans le retour. Incroyable moment de détente, exactement. Non, la cinématique est très mignonne parce que la musique, je la trouve très chill. Elle est peut-être faible un peu pour vous. Je vais juste augmenter un peu le son. Et on
jure. Voilà, j'ai mis un petit peu plus fort, c'est vrai qu'il était pas très... Voilà, c'est mieux, je pense. 25 février 94, troisième anniversaire d'Ashley. Ah, on a en plus la cinématique de la mort de la mère, horrible. Apparemment, elle lui aurait donné un collier, chose qu'il n'y avait pas dans le 1, mais il n'y a pas de précision inverse. Je viens de voir que mon masque de... ma fenêtre de stream, de mon capture de jeu est un peu bizarre. Bon, tant pis. Ça gêne pas. Il y a deux petits traits, là. Je sais pas d'où ça sort. Faut que je modifie ça. Ça me stresse. Attends, en plus, je veux dire, il l'a fait venir avec Juliette, mais genre, elle prend le bus, elle se démerde toute seule alors qu'elle a que 16 piges. Le père, il est pas trop à cheval sur la manière de procéder. Hein. Mais bon, les pères, tout ça, allez. C'est très joli. Pour un jeu de Wii de cette année-là, je trouve que c'est très joli. Il y a un fantôme qui lui a piqué son sac. Bah super. Bah hier ça. La pauvre. Un bon début de journée bien nul, hein, visiblement. Par contre, elle est un peu nulle pour chercher, mais bon. Bah super. Plus d'affaires, rien du tout. Génial. Oh, l'angoisse de se faire piquer son sac comme ça. Elle a l'air dégoûtée, la pauvre. Oh non! Mais non, la pauvre! Elle a l'air trop triste. Oh, ça fout les boules, hein, quand même, pour elle, la pauvre. Cette personne, où est-ce qu'elle est partie? Si je vais pas sur la fenêtre du jeu, ça marche pas bien. J'arrive pas à croire qu'on m'ait volé mon sac. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, tu m'étonnes. Quelle poisse! Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? J'avais toutes mes affaires dans ce sac. Mon ours en peluche, mes médiators, le morceau que je dois répéter. Et en plus... Oh non! J'espère que... Le pendentif de maman... Bon, le pendentif de maman, ils l'ont un peu rajouté à l'arrache dans le deuxième jeu pour faire un enjeu, mais en soi, il avait aucunement été mentionné dans le 1, ni rien, mais bon. Moi, je trouve pas ça dérangeant, voilà. Il était dans mon sac banane. Et ouais, top banane. Elle est bien dans ta petite banane là d'arrière-train. C'est ma mère qui me l'a donnée. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Ma mère s'appelait Sayoko. Elle était japonaise, merci de le préciser. Elle avait les yeux et les cheveux noirs. C'était une scientifique qui étudiait la mémoire. J'ai jamais compris pourquoi il décrivait le personnage de cette manière, mais ok. Je n'avais que 3 ans quand elle est morte. Je me souviens à peine d'elle. Bon, elle parle toute seule, hein, la pauvre Ashley. Elle doit être assez seule quand même, comme adolescente quand même. Dans mon sac banane, il y a aussi, merci pour l'inventaire, qu'est-ce que t'as ? La DAS, qui est du coup une DSI, puisque c'était à l'époque où la DSI était sortie. Donc ils ont rajouté une petite caméra. Elle a été conçue par mon père, c'est un modèle plus récent que celui d'il y a 2 ans. La DAS est connectée à l'ordinateur de papa par une sorte de réseau. Grâce à ça, il peut m'envoyer des messages. Il aurait pu lui acheter un téléphone portable, mais bon... La DAS intègre aussi un appareil photo. Pourquoi m'a-t-il envoyé ce nouveau modèle? Ok. Quelle galère! Je fais quoi, moi, maintenant? Donc, on est au premier chapitre qui est Souvenir soudain. J'aime bien les annonces de chapitres. Elles sont un petit peu. L'ambiance du jeu et le design du jeu est très cool, je trouve. Déjà, il est très chill et reposant, mais vraiment. C'est une ambiance un peu particulière. Jessica, je savais que j'aurais pas dû venir ici. Ah, ça c'est sa tante. Ashley, tu ne sais... Je sais que tu n'as pas envie de voir ton père. Je comprends ce que tu ressens vis-à-vis de lui en ce moment. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas vivre ainsi indéfiniment. Il faut que vous vous parliez. De toute façon, j'ai déjà indiqué à Richard l'heure à laquelle tu arrivais. Il viendra te chercher à l'arrêt de bus. Oui. Il viendra me chercher à l'arrêt de bus? Je crois que t'as pas vraiment compris la situation, Jessica. Comme s'il allait se souvenir de l'heure et du lieu de mon arrivée. Je parie qu'il se dit que je vais très bien me débrouiller toute seule, comme toujours. Elle a vraiment le seum parce que ça fait beaucoup quand même. Hein. La daf. Bon, ça suffit. Cette histoire de camping est ridicule. J'en ai assez, je rentre chez moi.
Voilà, il n'y a plus de jeu. Elle rentre chez elle. Sauf que je peux pas. J'ai pas le choix, je dois retrouver papa. De toute façon, j'ai pas d'argent pour payer le ticket de retour. Super, génial. J'aurais peut-être pas dû dépenser toutes mes économies. Non, ça sert à rien d'avoir des regrets. Cette guitare, j'en rêvais. De toute façon, je viens de me faire voler le peu d'argent que j'avais emporté. Inutile de s'apitoyer, je dois rejoindre papa. On voit, ça nous montre vraiment... Elle avait 13 ans dans le premier, là c'est 3 ans plus tard, donc elle a quand même beaucoup grandi. Elle est dans un mood... Elle est un peu en crise d'adolescence. Donc alors, c'est un jeu qui se présente comme ça, dans le sens où pour se déplacer, c'est que de gauche à droite. Il n'y a pas de truc... on peut pas se déplacer librement dans le monde ouvert. Ce qui est un peu dommage, parce que le monde en lui-même est très cool. Ensuite, avec la Wii mode de l'enfer, on sélectionne les trucs qu'on veut observer. Et là, on a tout un tas d'inventaires, de machins, de bidules. On a ses objets, l'appareil photo et la DAS, comme on avait dans le 1, c'est pareil. Panneau d'information, il représente une carte de Lake Juliet. Bienvenue à Lake Juliet, autour de vous se dresse le mont Roméo. Ce site naturel est une oasis de beauté à l'état pur, il regorge de magnifiques chemins de randonnée au niveau de difficultés variées. Certains sont idéaux pour les débutants, d'autres raviront les randonneurs chevronnés. Vous pouvez également visiter le site lors d'une promenade en canoë ou en bateau. Ça pourrait être sympa. Bah ouais, carrément. Alors pas que j'oublie que du coup je dois me déplacer avec mes flèches directionnelles. Parce que j'ai dû tout configurer avec la manette Xbox, donc j'ai mon stick qui me sert de Wiimote, j'en ai un autre qui me sert de Nunchuk, et j'ai les croix directionnelles qui me servent juste de déplacement. Tiens, j'ai reçu un message de papa. Ashley, je suis désolée, je peux pas venir te chercher à l'arrêt de bus car les préparatifs ont pris plus de temps que prévu. Va t'inscrire à l'accueil, je t'attends au campement. Mais quel bolos son père! Je t'attends au campement? Je savais qu'il viendrait pas me chercher. Mais où est l'accueil du camping? Oh la pauvre, ça me fait trop de la peine. Se faire abandonner, on connaît. Hop, et de temps en temps, on peut rentrer dans les endroits comme ça. Dispositif fixé sur la porte. À quoi ça peut bien servir? Ça doit être l'accueil. C'est fermé. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah super. Bon, on va continuer, on va avancer. Les musiques sont très jolies. Hein. Les musiques sont magnifiques dans le jeu. Je suis absolument fan des musiques. Non, on va aller par là. Tiens, il y a un chemin à droite. Ah, on peut changer quand même de direction. Ça, c'est cool. Il y a un monsieur, là. On peut lui parler ? Oui. J'ai très peu de souvenirs de l'histoire précise du jeu, à part quelques trucs. Hé, hey, coucou Cluster, du coup. Tu es venu ? Je viens juste de commencer le jeu. Et voilà. Excusez-moi. Oui. Oh, incroyable. Je peux vous aider? L'accueil du camping est-il fermé aujourd'hui? Fermé? Non, normalement c'est ouvert toute la journée. Pourtant, j'en viens et la porte est fermée. Ah bon, c'est bizarre ça. Ah, ils étaient sûrement en pause. En pause? Oui, en fait, c'est un étudiant qui s'occupe de l'accueil. Évidemment, les étudiants sont des gros... Oh, ce cliché. Il est pas méchant, mais on peut pas dire qu'il prenne son travail très à cœur. Quand c'est calme à l'accueil, il a tendance à s'éclipser pour aller traîner avec ses copains. Si vous attendez un peu là-bas, il finira bien par pointer le bout de son nez, j'en suis sûre. Ah, très bien, merci. Bah, Yers, la pauvre. Genre, vraiment, elle arrive, première minute de jeu, elle se fait chier dessus par tout le monde. Cool. Quelle galère, j'arrive ici, je me fais voler mon sac, y a personne à l'accueil du camping. Quelle sale journée, je vois pas comment ça pourrait être pire. Tu m'étonnes, la pauvre. Hey! Ça va? On dirait que quelque chose vous préoccupe. Dites-moi ce qui se passe, je peux peut-être vous aider. Je sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, je travaille ici comme garde forestier, vous pouvez me faire confiance. Je m'appelle Dan Maxwell. Petite présentation à chaque fois, très mignonne. Ah, oh, c'est un garde forestier, c'est un ranger. Dan Maxwell? Appelez-moi Dan. Et vous, comment vous appelez-vous? Ashley Mizuki. Elle m'énerve avec son deuxième nom à chaque fois. Robbins, quoi. Maintenant que les présentations sont faites, je peux te tutoyer. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ashley? On m'a volé mon sac. Ton sac? Oui, quelqu'un me l'a volé. Quand est-ce que ça s'est passé? Lorsque je suis descendue du bus, on m'a bousculée par derrière. J'ai laissé tomber mon sac, quelqu'un l'a pris et s'est enfui. Donc c'est clairement une affaire de vol. Ah bon? Non mais... Oui.
Bah oui. Il est con. Qui t'a poussé? Je ne sais pas. J'ai juste vu le voleur de dos. Tu peux me décrire cette personne? C'était une femme. Je lui ai couru après, mais j'ai vite perdu sa trace. Je vois. À quoi ressemble ton sac? Ah oui, ils sont gentils, mais... Quelle taille fait-il? C'était un gros sac, non? J'avoue, je m'en rappelle plus. À peu près cette taille, bah ça va vachement aider. Il est comme ça, à peu près. Salut Foo Fighters. Sèche mes cours. Comment ça mes cours? Il est blanc avec des bords roses. Il y a une grosse poche extérieure avec un lapin dessus. Un lapin? Oui, un lapin rose. C'est le logo de la marque Pinky Rabbit. Pinky Rabbit qui est le puzzle de Melissa dans Hotel Dusk. Vous savez, le petit lapin rose qu'on avait vu. Un lapin rose. T'as pas dit que t'étais prof? Oui, mais je suis en congé pour l'instant. Voilà. C'est un motif très à la mode, j'ai l'impression. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Il y avait des choses de valeur dedans? Il y avait un peu d'argent, mais surtout ma peluche préférée. Il y avait aussi ma boîte de médiator, des partitions et plein d'autres trucs importants. Je vois. Je vais chercher ton sac pendant ma patrouille. Peut-être que je trouverai des indices. Phineas. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vous feriez ça pour moi? Bien sûr, Ashley. Je m'en occupe, ne t'inquiète surtout pas. Mais au lieu de balancer des vacheries, Foo Fighter, l'important c'est de savoir comment tu vas, toi. Parce que moi, à la limite, on s'en fout, mais toi, comment vas-tu? Par ailleurs, je te conseille de remplir une déclaration de vol à l'accueil. Ça augmentera tes chances de retrouver ton sac. Très bien. Au fait, tu es toute seule ici, Ashley? Eh bien, je suis venue toute seule, mais je dois rejoindre mon père à son campement. Il y est déjà, il m'attend là-bas. Je vois. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Le vol de ton sac a dû te saper le moral. Voir ton père va te faire du bien. Ah, si seulement... Allez, t'en fais pas. C'est dans ces moments qu'on a besoin du réconfort de sa famille. Oui, bien sûr. Puisque vous le dites... Tu vas souvent faire du camping avec ton père? Pourquoi cette autre question? Non, jamais. C'est la première fois. Je vois. Dans ce cas, essaie de te détendre un peu, d'accord? C'est bien ce qu'on peut... En fait, on peut vraiment choisir comment elle réagit. Bon, elle a pas de raison d'être méchante avec lui, hein, après, pour la jouer à dos rebelles, mais... D'accord, je vais essayer. Tu sais, ton père a de la chance. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, ma fille va avoir 5 ans cette année. J'espère que quand elle aura ton âge, elle aura l'occasion de profiter de quelques jours de camping avec moi, comme tu vas le faire avec ton père. Bah maintenant que j'y pense, je suppose que c'est le rêve de tous les pères de cette planète, n'est-ce pas? Mais oui, absolument. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié la beauté naturelle de Lake Juliet. Il y a ici ni caméra, ni centre commercial, mais tu verras, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Oui, peut-être. Et promets-moi une chose, lorsque tu quitteras le camping... Je sais, je nettoie tout et je ne laisse rien traîner, c'est ça? Exactement. Ce serait tellement bien si tous les visiteurs étaient comme toi. Hélas, pas mal de visiteurs peu respectueux nous ont causé du souci dernièrement. Et en fait, Coucou, Herzouille! Salut! Au fur et à mesure de la discussion, du coup, on a des petites questions. Bah, en fait, comme on a dans Hotel Dusk et comme on a dans le premier Another Code. Ça devient assez préoccupant, je dois dire. Leur comportement engendre du travail supplémentaire pour tous les gardes forestiers. Et souvent, les questions, c'est... Je répète la phrase. Des visiteurs irrespectueux. De qui parlez-vous? Ah, des jeunes mal intentionnés. Depuis quelque temps, les jeunes des villes voisines viennent se retrouver en forêt. Ils font des rêves partis. Ils font du bruit toute la nuit, cassent des tas de branches, sèment des détritus partout. Eh bien, je suppose qu'il y a des jeunes mal élevés partout. C'est vrai, ouais. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que certains commencent à allumer des feux. J'en suis venu à me demander si l'incendie de la maison a quelque chose à voir avec eux. Ça nous apprend, pauvre branche, c'est de la racaille. Les gens de la ville. En quoi consiste exactement le travail d'un garde forestier? Nous patrouillons dans la forêt à la recherche d'éventuels dégâts causés à l'environnement. Nous arrêtons aussi ceux qui coupent des arbres ou allument des feux de forêt, car c'est illégal. Ah bon, les gardes forestiers peuvent aussi procéder à des arrestations? Oui, absolument, pourquoi cette question? Eh bien, à vrai dire, c'est la première fois que je rencontre un garde forestier. C'est vrai, ça. La première fois, vraiment? C'est une plaquette des trucs d'orientation. Quoi? Qu'est-ce qu'une plaquette? Oui. Les jeunes de la ville me disent souvent ça. Quel diplôme faut-il faire pour faire garde forestier? Bah j'en sais rien.
En fait, ils disent toujours la même chose au sujet des gardes forestiers. Jusqu'à maintenant, je n'en avais vu qu'à la télé. Discours du mec, mais oui. En fait, il est, tu sais, il va dans les trucs de conseiller d'orientation. Si vous voulez devenir garde forestier, faut faire attention aux arbres. Une maison a donc été incendiée ? Oui, au bout de sentier, il y avait une grande maison. Mais il y a quelques jours, un incendie l'a complètement détruite. Le panneau que je viens d'installer a pour but de tenir les curieux à l'écart des débris dangereux. Les décombres n'ont pas encore été sécurisés, alors ne t'en approche pas, c'est compris ? C'est compris. Bon, le garçon de l'accueil est sûrement revenu de sa pause, tu devrais peut-être aller le voir. Ok, j'y vais. Je vais vérifier tout de suite. Merci pour votre aide en tout cas. Bon, c'est un bon gars, Dan. De toute façon, les gens qui s'appellent Daniel, ils sont toujours friendly. En général, je trouve. Hop. Donc, on n'a plus qu'à retourner à l'accueil. Normalement, l'étudiant devrait être revenu. Cette feignasse. Boutique de l'accueil. J'aime bien les intérieurs parce qu'il y a vraiment plein de petits trucs à fouiner. On peut vraiment cliquer sur tout. Et il y a plein de petits bonus qui ne sont pas utiles à l'histoire, mais juste c'est agréable de le faire. C'est enfin ouvert, mais... Ah. Personne. Super. On dirait qu'il n'y a personne. Yes. Alors, en fait, quand on est à l'intérieur d'une pièce comme ça, on peut juste se promener et appuyer tout simplement sur les différents éléments. Ah, cette pierre-là. C'est les Rainbow Stones. Pierre arc-en-ciel, si vous prenez cette pierre en photo, vous verrez des vraies couleurs d'arc-en-ciel. D'ailleurs, Daniel, c'est le nom du fantôme du premier... Oui, exactement, Daniel, qui s'appelait Daniel Edward. C'est le nom de Daniel Fortesque. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup qui s'appellent Daniel. C'est rigolo. Alors, je sais que des fois, ça va paraître un peu... Enfin, pas saccadé, mais le curseur, parce que, comme je disais, ça, c'est normalement, c'est censé être utilisé à la Wiimote. Sauf que là, je joue à la manette, donc j'ai dû configurer mon émulateur et c'est assez très sensible. Hop. Je vais regarder la photo sur la DAS. Je peux ouvrir la DAS et là, j'ai accès aux photos. Ils ne sont pas cassés la tête pour les prénoms. Ah, effectivement, on voit une petite photo arc-en-ciel, c'est mignon. Sinon, on a quoi ? On a les messages. On a un truc des personnages, ça c'est cool. Enfin, on a carrément un arbre généalogique qu'on peut consulter avec un petit descriptif de chaque personnage. Ça, c'est cool, le cas par arc-en-ciel. Et on a des résumés des chapitres, comme dans tous les jeux Sing, en général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, on a prospectus. Ça peut être utile, ça. Free. Des pliants sur le présentoir. On peut pas les prendre ? Non, on s'en fout. D'accord. On s'en fout. Très bien. Des livres sur le camping, on s'en fout aussi. Oh, j'ai pas de sous, je veux un chewing-gum. Formulaire de location, répertorier tous les articles qu'on peut louer avec les tarifs correspondants. Ok. Oui, mais, ouais, mais moi je veux quelqu'un en fait pour s'occuper de moi. Il y a des trésors, des souvenirs. Ok. Et si je regarde là ? Ah ! On va avoir le droit à notre premier... À la manette, ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Tiens, il y a quelqu'un. Qui est-ce ? Bah, à ton avis ? J'ai bien l'air surprise de tout. Hey, salut. Ouais, bonjour. Je suis à vous dans une seconde. Ah. En fait, toutes les portes de l'endroit ont un espèce de truc pour verrouiller qui va nous être utile. Ok. Donc là, on va pouvoir parler à ce monsieur. Bienvenue avec Juliette. C'est une magnifique journée, n'est-ce pas ? Je m'appelle Tommy Harrison, je travaille ici. Tommy, il est cool, il est jeune, il est branché. Je suis déjà passée, mais la porte était fermée. J'ai cru que l'accueil était fermé aujourd'hui. Ah, désolé, comme j'avais rien à faire, je me suis accordé une petite pause. C'est calme à ce point-là, ici ? Ah ouais, plutôt, ouais. Le lac est très joli, c'est sûr, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire ou à visiter. Du coup, c'est pas un endroit très fréquenté.
suis venue ici pour faire du camping, si rien à faire, je vais m'ennuyer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Disons qu'il n'y a rien ici, pas de distraction. C'est l'endroit idéal pour faire le vide, se détendre, camper, tout ça. Je voudrais... Ah oui, vous êtes venu camper ici. Vous voulez vous inscrire, n'est-ce pas? Ok, écrivez votre nom et... Hop. Signez ici en bas. Très bien. À chaque fois, elle dit son nom complet, ça me fume. Ashley Mizuki Robbins. Comme ça, c'est bon? Parfait. Ah, mais c'est vous, Ashley? Bah oui, tous mes amis m'appellent Ash. Ah bon? Tu peux me tutoyer, tu sais. T'étais au courant que j'arrivais? Ouais, ton père m'a prévenu que t'arrivais. Il m'a dit de m'occuper de toi, tout ça. Bref, ton père et toi, vous n'avez pas manqué de place pour camper. Vous êtes les seules réservations du camping pour l'instant. Bah super. Au fait, il faut que je te donne ça aussi. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est le pass du camping, utilise-le pour ouvrir le portail d'entrée. D'accord, c'est noté. Les vacances de l'enfer. Et encore, t'es pas au bout de tes peines. Hein. Dis donc, t'as aucun bagage avec toi? T'es bien venu faire du camping, pas vrai? T'as rien pris avec toi? Si, j'avais mon sac, mais on me l'a volé. Volé? Ouais, à l'arrêt de bus. Oh, ma pauvre, quelle galère! Tu l'as dit. Ça me fait penser au conseil que Dan m'a donné. T'aurais un formulaire de déclaration de vol à me faire remplir? Ouais, bien sûr, attends une petite minute. À chaque fois, pour moi, il parle comme ça, genre « alors ?» Parce qu'il a trop une tête à parler comme ça. Tiens, voilà, remplis ça. C'est le formulaire que je dois remplir? Ouais, t'indiques ce qu'on t'a volé et on le transmet à la police. Pour être franc, c'est peu probable que ça améliore tes chances de le retrouver. Mais bon, ça coûte rien d'essayer, pas vrai? C'est sûr. Alors, voilà, tout rempli, super. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. J'enverrai ça à la police. Merci. C'est bizarre quand même, ces derniers temps, il se passe des choses étranges par ici. Ok. Nous sommes les seuls à avoir réservé au camping. Je croyais que cet endroit avait été créé par le labo de mon père pour accueillir des familles. Ouais, c'était l'idée de départ, mais personne n'était vraiment intéressé. Du coup, le concept de lieu familial est tombé à l'eau. Mais ton père a insisté. Résultat, vous êtes les seules personnes à avoir réservé aujourd'hui. Génial. Ah d'accord, donc y a que nous. En fait, vous êtes pas tout seul. Quelqu'un d'autre s'est inscrit. Un type bizarre, seul, en costume. Franchement, quelle idée de porter un costume par ce temps. On en voit vraiment des vertes et des pas mûres de nos jours. Il parle comme un boomer. À nos jours Il s'est passé des choses étranges. Ouais, il y a quelques jours, une maison a brûlé. Et puis, il y a aussi toute cette nourriture qui disparaît dans la remise. Et pour finir, ton sac? C'est mal famé par ici, non? Pas du tout. En général, les trous perdus comme celui-là n'attirent pas les problèmes. Depuis que je travaille ici, c'est le premier été turbulent. Tu travailles ici à plein temps? Tu rigoles? Non, c'est juste un petit boulot pour les vacances. Je connais le propriétaire du site, c'est lui qui m'a proposé le job. Mais cette année, c'est la dernière. Ta dernière année? L'année prochaine, j'aurai mon diplôme en poche. C'est donc mon dernier été dans les bois. Ça me fume qu'on lui raconte tout alors qu'il la connaît pas et qu'il est censé faire la pub du camping. Ouais, mais après, je peux comprendre, même d'un point de vue lore. Genre, t'es un ado... Salut Tabasco, coucou. Genre, t'es une ado, tu débarques, le mec là, il est genre un tout petit peu plus vieux qu'elle, c'est un jeune aussi. Imagine, t'es dans un trou perdu où il n'y a pas d'autres jeunes, il croise une meuf, commence à lui parler. À la limite, c'est un mec sociable, je peux comprendre, tu vois. Bon, c'est fait pour l'inscription. Amuse-toi bien avec Juliette, H. J'y compte bien. Ah, au fait, c'est la première fois que tu viens par ici, pas vrai? Oui. Dans ce cas, vise un peu ce qu'on a par ici. On vend des boissons et des souvenirs. Et regarde-moi un peu cette pierre magique par là. Prends-la en photo et tu verras, c'est une pierre précieuse qui vient des mines du coin. Et puis on a une promotion en ce moment sur les souvenirs à tout à moitié prix. Le premier truc que tu racontes, c'est pas l'incendie, les vols, les trucs chelous. Ouais, non, j'avoue, ils vendent pas trop bien l'endroit. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent sur moi. Ah, c'est pas un problème, tu peux utiliser ton passe pour faire tes emplettes. Je peux me servir du passe pour payer? Absolument, tu veux quelque chose, paie-le avec le passe. Oh, ça a l'air si bien. Vise un peu ces boissons. Je comprends qu'ils deviennent potes, mais quand même, ouais, c'est vrai. Achète ce que tu veux, je suis sûr que ton père y verra aucun inconvénient. Ouais, bon, on va me gêner, tiens. Il avait qu'à s'occuper de nous.
Après, un saisonnier, c'est pas vraiment un pro. Ouais, voilà. Bon, après, c'est vrai que du coup, il vend mal son truc. Genre, hey, tu travailles ici, c'est de la merde. C'est trop bien. Je peux avoir un bonbon. Je peux payer avec mon passe à bonbon. Il faut des jetons. Machine à recycler les canettes. Ça va direct sur le compte de ton daron. Oui. On était installé pour inciter les gens à pas jeter les canettes. Ouais, ça c'est trop cool. Par contre, un vrai truc, hein, trop cool. Premier degré, trop cool. C'est que dans le jeu, il y a des machines où tu peux ramasser les canettes dans le jeu et tu les mets et ça fait des thunes en fait. Et tu peux les utiliser pour ce genre de conneries. C'est très con, mais je trouvais que le message était cool à mettre dans un jeu et puis j'aurais bien aimé que ça existe en vrai. Tu sais, genre quelques jetons qui peuvent servir à des trucs. Genre, je trouvais ça stylé. Je comprends que les familles n'aillent pas dans ce camping. Ouais, t'imagines, les gamins, ils piquent le pass du... Oh, merde. Ils piquent le pass du camping pour aller s'acheter plein de trucs. Ok. Des chips. Ah, oh, de la Cool Pop, c'est ma boisson préférée. T'en veux? Bah ouais, grave. Ouais, j'en veux bien. Pas de problème. Et une Cool Pop, une. Elle s'enlève du truc, c'est trop bien, j'adore. Un petit peu de chips. Allez, let's go. Prends une chips. Allez, hop, potato chips. C'est parti. Et on va prendre un souvenir pour la tante au pire. Reste cool, prends une Cool Pop. Oh, regardez comme c'est mignon. Il me rappelle que ce dont Jessica m'a parlé avant mon départ, elle voulait quelque chose de mignon pour décorer la cuisine. Excellent choix, les figurines se vendent comme des petits pains ces derniers temps. Il en reste plus qu'un lot. Allez, on va prendre un petit cadeau pour Jessica. Hop. C'est parti. Est-ce qu'ils ont un nom? Oui. Le grand s'appelle L et le petit J. C'est pas terrible comme nom. Tu m'étonnes, c'est un peu de la merde. Ok, bah c'est tout, hein, écoute. Hein. Est-ce que je dois leur parler ou je peux partir? Jette un œil à ce qu'on a, un petit souvenir, d'accord. Je vais prendre une Cool Pop pour me détendre. Pour rester cool. Ah, j'ai failli oublier, j'ignore où se trouve le campement de papa, je ferais mieux de demander à Tommy. Bah oui, c'est mieux. Désolé, c'est un peu galère avec la manette. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de te demander où se trouve la tente de mon père. Il y a beaucoup d'emplacements dans le camping. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire ça. Vous êtes situé... Hein? Bah je t'en prie. Allô? Oh salut! Alors tu l'as retrouvé? Mince! Bon écoute, laisse tomber pour l'instant, reviens ici. Ça marche. Coucou, je suis sur mon tel, un peu galère le chat. Coucou Fano! Ça va? Ah mais quelle misère! Ça va tout va de travers aujourd'hui! Pourquoi tout va de travers? Pardon, quel est le problème? Ah, c'est l'appel que je viens de recevoir. Une amie à moi a perdu quelque chose, elle est en train de le chercher partout. En fait, elle est juste... Elle en fait toute une montagne de ce truc. Elle pleurniche et me demande de l'aide sans arrêt. Dis-moi, H, est-ce que toutes les filles sont comme ça? Bah non, mais pourquoi? Bah non, pas du tout. Eh, doucement, pas la peine de t'énerver comme ça. Désolée, j'avais oublié à qui je parlais pendant une seconde. Il n'y a qu'un seul genre de fille sur Terre. Il n'y a pas qu'un genre... Ne nous mets pas toutes dans le même panier, d'accord? Allez, bim. D'accord, ok, si vous n'êtes pas toutes pareilles, j'ai compris. Franchement, c'est bon, j'ai compris, je te dis. La meuf, ils se connaissent depuis 10 minutes. Et ça se gueule déjà dessus, incroyable. Ah ouais, le campement de ton père. Passe le portail, prends la première à droite et t'y es. Tu peux pas te tromper. La première à droite, après le portail. Moi, je suis différente, ok? Après, il a raison, il n'y a pas qu'un seul genre de fille... Bref, on va pas tomber dans le débat non plus. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnages féminins. J'en ai un peu marre de faire des voix de mec. Ça me fait mal à la gorge. Est-ce que c'est vide? Un vieux fond de flotte dégueu. Tu vois, c'est des pliants sur la table, prends-en un. Il y a une carte de Lake Juliette dedans, ça pourrait te servir. Bonne idée. Pourquoi tu le dis pas avant? Hop. Hop, carte de la région, ça peut servir. Vous pouvez désormais afficher la carte. Ah, ça c'est bien.
que c'est logique d'attendre d'avoir la carte pour pouvoir afficher la carte. Du coup, elle apparaît ici, la carte. Et on peut voir Quai Sommaire. J'aime bien comment c'est présenté, c'est très simple. Et du coup, elle apparaît en bas à gauche. Alors, j'imagine qu'il faut que j'utilise le pass. Et là, oui, voilà. En fait, là, quand on jouait à Another Code, le premier, j'avais parlé de « Ouais, c'est bizarre, on peut pas combiner les objets. » En fait, c'est dans le 2 où on peut combiner les objets entre eux. Le classique d'un point and click, mais c'est vrai que ça m'avait manqué dans le 1. Je suppose qu'il suffit de passer mon pass devant, non ? Yes. Hop. Bah super. Hmm. Quoi, hein? Ah oui. Oui, parce qu'on est, dans Another Code, donc elle se rappelle de choses. Ça n'a pas changé par rapport au 1. Et du coup, de temps en temps, on a des espèces de flashbacks comme ça qui sont sous la forme de dessins très mignons, d'ailleurs. Enfin, très cool. Que s'est-il passé? Pendant que je regardais le portail s'ouvrir, j'ai eu un flashback avec ma mère ici. Comment c'est possible? Le portail du camping, ma mère est déjà venue ici. Elle-même s'est tenue devant ce portail. Elle a toujours des pertes de mémoire. Bah en fait, elle a toujours ce... Bah, après, elle a quand même vécu un trauma un peu hardcore, quoi. Donc en fait, malgré ce qui s'est passé dans le 1, elle a quand même des pertes de mémoire, entre guillemets. C'est la pire journée de ma vie. Ah bah oui. J'avais dit que je voulais une fille, mais bon. Mon baladeur adoré, impossible de mettre la main dessus. Tu te rappelles quand tu l'as utilisé pour la dernière fois ? À ton avis, si je m'en souvenais, je serais pas en train de le chercher partout. Ok, j'essayais juste de me rendre service, moi. Qu'avait ma chanson préférée dedans. Ok. Ils sont juste passés devant moi. Bonjour. Non, même pas. Ok. Ah, c'est les jeunes de la ville, je vous jure. Et là, on a la fameuse machine à canettes. Ça veut dire que si on prend, par exemple... Ah. La canette, on peut la boire, hop, par exemple, ch'touk, on la boit, prends ton temps. Et comment elle fait pour boire une canette en entier, comme ça? Délicieux, bah super. Du coup, on se retrouve avec une canette vide, et là, on a les machines, et on peut l'utiliser normalement pour récupérer des petits jetons. Comme ça. Allez hop, au recyclage. On met la canette dans la petite machine, ch'touk. On prend la poignée, et voilà. Et on récupère des petits jetons. Elle va lâcher un de ses gros rots. D'ailleurs, en parlant de rots, j'ai une surprise qui va bientôt arriver dans les emotes. Suite à notre live d'Alice qui était merveilleux et qui m'a valu une crise de fou rire à propos d'un rot mal placé, du coup j'ai décidé de marquer le coup et il va y avoir une surprise dans les emotes. Voilà, c'est tout, je ne vous dis pas plus, vous en savez déjà beaucoup trop. Ça arrivera incessamment sous peu, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on verra ça, ça va être très rigolo. Gloup. Ah bah voilà, on est là, on est au campement. Ah bah il y a Richard, il est là déjà. Super. Papa ! Ah ouais ? Ashley ! Je me demandais quand tu allais arriver. Il m'énerve, parce qu'en même temps je l'aime bien, en même temps il m'énerve, il s'occupe trop mal de sa fille, ça m'agace. Comment ça va ? Ça va. Ils ont rien à se dire. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon père, c'est un scientifique, il étudie la mémoire. Il travaille ici avec Juliette dans un laboratoire spécialisé qui s'appelle Jesse Valley. Je ne sais pas lire ce truc, mais c'est pas grave. Quand il est parti l'année dernière pour venir travailler ici, il m'a dit « Je rentrerai tous les week-ends, je te le promets. » En effet, il rentrait le week-end, au début. Mais après quelques temps... Ashley, ton père m'a appelé aujourd'hui. Il est désolé, il ne pourra pas rentrer ce week-end. Jean-Claude Vallée. C'est les sosies de Claude François. Jean-Claude Vallée. Ne sois pas triste, tu sais à quel point son travail est accaparant. Et tu sais aussi bien que moi ce qu'il pense à toi.
Pas si sûr, Jessica. Il s'intéresse bien plus à son travail qu'à moi. Cette idée de camping est le seul moyen qu'il ait trouvé pour soulager sa conscience. Il reste, il cherche à se faire pardonner les nombreux week-ends où il n'est pas rentré. Jacques Chirac Vallée. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que t'es triste. Il s'est passé quelque chose ? Oui, il s'est passé quelque chose. Eh bien, raconte ! Quand j'étais gamine et que j'avais joué à ce jeu, le passage où elle parle à son père me met trop mal à l'aise parce qu'en fait, elle s'énerve sur lui et ça me mettait trop mal à l'aise. Ne garde pas ça pour toi, tu peux tout me dire, tu sais. Tu veux savoir ce que j'ai ? Pourtant, ça paraît évident. Tu as grandi, c'est ça ? Oh, putain, mais quel blaireau ! Non. Alors, ça y est, je sais. Tu portes de nouveaux vêtements. Réfléchis un peu, enfin, pourquoi est-ce que ça me rendrait triste ? Regarde-moi, est-ce que je transporte quelque chose avec moi ? Eh bien, maintenant que tu me le fais remarquer, t'as rien pris avec toi ? Évidemment que j'avais pris des affaires. J'avais pris mon sac Pinky Rabbit, celui avec le lapin rose que je prends tout le temps. Quel tocard ! Il s'en quitte un peu un bolos. Tu avais pris ? Oui, je l'avais pris, mais on me l'a volé. Quoi ? Quelqu'un m'a volé mon sac. Ashley, est-ce que la DAS était dans le sac ? C'est vraiment un enculé. Genre, il s'en fout qu'elle ait toutes ses affaires de voler. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la DAS, de savoir si on l'a volé son outil de travail, quoi. Je l'avais rangé dans mon sac banane avec le pendentif de maman. Ah, tu as également emmené le pendentif. Même quand la daronne n'est plus là, la charge mentale existe. Ah bah oui. Évidemment, ce pendentif ne me quitte jamais. Bon, en tout cas, je suis rassurée que tu n'as pas perdu la DAS. Quel connard. Ah ! Quel enculé. Pardon, je suis désolée, c'est vulgaire, mais... Oh ! Il est horrible, son père, genre vraiment. C'est horrible parce que le personnage de Richard est très cool, mais c'est le cliché du mec trop inclus, trop investi dans son travail, qui oublie tout le reste et machin. Mais ouf, c'est... Putain. Ah là, c'est fou, hein. Genre, en plus, il suffit que t'aies un peu des daddy issues de ton côté. Oh ! Pinky Rabbit, on l'a vu. Oui, c'est ce que je disais, Pinky Rabbit. Ah oui, t'étais pas arrivé encore. Pinky Rabbit, c'est le petit lapin du puzzle de Mélissa dans Hotel Dusk. T'es rassurée que j'ai pas perdu la DAS ? Ce truc est si important pour toi ? Papa, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé la DAS en même temps que l'invitation à camper ? J'ai fabriqué cet appareil au labo. J'ai considérablement amélioré ses fonctionnalités par rapport à la version d'il y a 2 ans. D'ailleurs, qu'en penses-tu ? Est-ce que cette nouvelle DAS te plaît ? J'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien ? J'en sais rien parce que je m'en fiche, c'est clair maintenant ? Ah, je vois, Ashley, tu dois toujours garder cet appareil sur toi pendant ton séjour ici. On la trouve à Micromania. Il nous permettra de communiquer à tout moment. Communiquer ? Toi et moi ? Oui, où que tu sois, tant que tu as la DAS sur toi, je peux te contacter. C'est bien beau tout ça, mais en attendant, tu refuses de m'acheter un téléphone portable. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une DAS Lite, c'est une DSi en plus exactement. Ashley, je ne connais personne de ton âge qui ait son propre téléphone portable. Mais tu vis sur quelle planète, papa ? Je suis la seule de ma classe à pas avoir de portable. Vraiment ? Oui, vraiment. C'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais maintenant, ça l'est. Ah. Ah, oh, les deux nazes. Ashley... Quoi ? Tu as faim ? Un peu. J'ai prévu de faire un barbecue, on va manger ensemble. J'ai presque fini, il y en a encore pour quelques minutes, d'accord ? Ah bon, c'est pas encore prêt ? Il y en a plus pour longtemps, vraiment. Écoute, si tu veux, il y a des boissons dans la glacière, à côté de la tente. Bois quelque chose en attendant. C'est très malaisant, j'aime pas cette situation, elle est bizarre. Ah mais il y a de la cool pop, on va reboire un petit coup là. Wouah ! Si mes souvenirs sont bons, tu aimes bien le cool pop. Non, je t'en ai pris le nouveau, celui à l'orange. Super, ça fait un bout de temps que j'avais envie d'y goûter. À côté, il pense à elle avec des petits trucs là, mais c'est... Je suis désolée, une canette, ça n'arrivera pas à rattraper le reste. Hein. Je suis désolée, ça ne suffit pas. À mes yeux, ça ne suffit pas. Le barbecue qui n'a absolument pas l'air d'être prêt. Das Auto. T'inquiète, papa, on s'en fout un peu, non ? On va le boire, hein, histoire d'eux.
quel naze. Il est vraiment naze, son père, c'est fou. trop bon. Bah, super. Papa, est-ce que le barbecue est prêt? Patiente encore quelques minutes, ma chérie. J'ai vraiment faim maintenant. Allez, tiens, bim. Pour. Je viens de finir de découper les légumes, il me reste plus qu'à... Ah, oh, il y en a encore pour des heures. Il est trop cool ton t-shirt. Mon t-shirt à moi ou celui d'Ashley? Juste quelques minutes. Ah ouais, vraiment? Bon bah en attendant, je vais jeter la canette à la machine. Ok, mais ne traîne pas en route, c'est bientôt prêt. Bon bah jeter la canette, puis on va revenir, puis il va dire qu'il a pas de charbon. Je sens venir. Le tien à toi. T'as vu ça? Il est trop cool, avec petite bulle. J'y comprends plus rien. J'ai enfin l'occasion d'être avec papa, mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est lui crier dessus. Ah, fais un effort, Ashley. Oh, la pauvre. Elle a un côté un peu sale caractère. Déjà, dans le 1, des fois, elle avait des côtés un peu sale caractère, mais je trouve que ça la rend vraiment plus humaine. J'aime bien les persos qui, des fois, ont vraiment des défauts appuyés. Enfin, des gros défauts. Ça va, c'est pas un gros défaut, mais on va dire qu'elle est pas tendre, elle est pas toute mignonne, machin. Déjà, dans le 1, on le voyait, même si bah, elle avait 13 piges, c'était encore une petite fille, mais elle était un peu vénère, des fois, quand même, dans ses manières de réagir ou quoi. Et oh là, j'ai le hoquet. Et je trouve que c'est cool, en fait. Ça rend plus attachant un personnage qui a des défauts, à mes yeux. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je sais que ça... Je trouve ça plus humain. Un jeton. Yes. J'aime bien comment elle fait. Yes. Ah, du caractère. Ouais. Ah zut! Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le charbon. Putain, j'ai oublié le charbon, bah voilà. Quoi? Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'en ai assez. Ah bah voilà. Papa, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du charbon de bois. Je peux... Oublie ce fichu charbon de bois. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai besoin d'argent. Tu veux ton argent de poche, c'est ça? Non, je veux de quoi m'acheter un ticket de bus. Oh, ça se presse pas, je te donnerai l'argent pour le ticket à la fin de ton séjour. Non, je veux cet argent maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, Ashley? Je veux dire que je m'en vais maintenant. Normalement, c'est Jessica qui y pensera. Putain, non. Sachant, hey, sachant quand même que Jessica, c'est sa sœur à Richard. C'est la tante d'Ashley, c'est la sœur de Richard. La meuf, elle a dû tout sacrifier juste pour sa gueule à lui, en plus. Hein. Même si elle aime sa nièce, c'est pas le problème. Et elle l'a élevée et tout, elle est trop cool. Mais... Tu veux t'en aller maintenant? T'as tout compris pour une fois. Mais tu viens juste d'arriver et le barbecue est quasiment prêt. On va pouvoir manger ensemble, discuter un peu. J'ai pas envie de discuter avec toi. De toute façon, je suis sûre que tu préfères manger tout seul. J'en profite pour parler d'Emu DS. Il y en a qui sont arrivés à émuler ces derniers Ace Attorney 3DS. J'ai jamais fait d'émulation de 3DS. Et franchement, je sais pas. Je sais pas s'il y a des émulateurs qui... Bah, Citra. J'ai un coloc qui va commencer. Bah, bon coloc, Erzouille. Et puis, bah, merci d'être passé, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Des petits bisous. Ouais. À plus tard. Citra avec Helios, il m'avait dit qu'il utilisait Citra, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner de mémoire. Mais normalement, ça marche. Mais après, trouver les ROM pour Phoenix Wright, les derniers Ace Attorney, t'as dû atterrir dans Discord. Bah non, t'inquiète. je l'avais téléchargé aussi, si tu veux, on pourra regarder ensemble, mais je suis pas sûre. Faut que j'essaie de télécharger un jeu 3DS, voir comment il fonctionne, parce que moi, j'ai pas réussi. Ashley, pourquoi tu dis ça? J'étais tellement content que nous ayons tous les deux trouvé du temps pour camper ensemble. Allez, arrête un peu ton cinéma. Je sais bien que tout ce qui t'intéresse, ce sont tes recherches. Tu te trompes complètement. C'est vrai que mes recherches comptent énormément pour moi, mais je t'assure, tu comptes bien plus que tout à mes yeux. Je te dirai si j'y arrive. Bah, je veux bien, hein, ça m'intéresse. T'as dit que tu te réjouissais à l'idée d'aller camper avec moi? Oui, j'ai très envie de passer un peu de temps avec toi. Mais seulement quand ça t'arrange. Seulement quand ça colle à ton planning. Mais non, pas du tout. Avant de m'imposer ton invitation, tu aurais pu me demander si j'avais déjà prévu quelque chose. Quoi?
J'avais prévu de répéter avec mon groupe. Tu joues dans un groupe ? Putain, mais... Pff. Oui, j'ai monté un groupe avec un ami. Je dois m'entraîner à la guitare. Tu joues de la guitare ? J'ignorais. C'est une grande nouvelle, ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Ashley... Bref, j'étais censée m'entraîner avec mon groupe aujourd'hui. J'ai dû annuler pour venir ici. Je me fais voler mon sac en arrivant. T'étais pas à l'arrêt de bus ? Ashley, je... J'arrive à l'accueil, on m'annonce que le camping en famille est annulé et que nous sommes les seuls à camper ici aujourd'hui. Eh bien... Et pour couronner le tout, tu passes ton temps à éviter mes questions. Tu m'as toujours pas dit quelle était la vraie raison de ton invitation à venir camper ici. Ah, j'avoue, il est abusant. Je compte plus que tout pour toi. Mais enfin, bien sûr, tu es ma fille. C'est pas la peine de mentir, tu sais. Mais comment tu peux dire une chose pareille ? Tout ce qui t'intéresse, ce sont tes recherches. Ça a toujours été ta priorité. Ce n'est pas vrai, Ashley. Arrête de mentir ! Tes recherches sont plus importantes que moi. Si tu t'intéressais vraiment à moi, tu ne m'aurais pas laissée toute seule pendant 6 mois. Ashley... Écoute, je m'intéresse moi aussi à certaines choses. Tes recherches sont ta priorité ? Soit. Mais sache que moi aussi. J'ai moi aussi ma priorité, pardon. Ah bon ? Quelle est ta priorité ? La musique. Je ne juge pas, elle a 16 ans, c'est normal. Vouloir devenir une rockstar, c'est tout à fait normal à 16 ans. Je peux comprendre. Après, si elle se démerde bien, pourquoi pas. Mais tout le monde aime la musique, Ashley, même moi. Mais pas autant que moi. La musique, c'est toute ma vie. Je veux devenir musicienne professionnelle, monter un groupe. La base. Ah ouais. Vraiment ? Ashley, je ne savais pas que tu avais cette passion. Pourquoi tu me l'as cachée ? Je t'ai rien caché, hein. J'ai jamais eu l'occasion de t'en parler, c'est tout. Pas étonnant, puisque t'es jamais là. Je connais 3 accords, comme tout le monde. Tout le monde sait faire Pirates des Caraïbes à la guitare et le début de... début de Seven Nation Army. Et comme As You Are aussi, vite fait. La raison pour laquelle je t'ai demandé de venir avec Juliette, la voici. Je t'écoute. Je voulais que tu revoies le lac. Que je le revoie ? Oui, quand tu étais petite, ta mère t'a emmenée ici. Quoi ? Tu veux dire que je suis déjà venue ici ? Oh putain, pas Wonderwall. Oui, tu t'en souviens probablement pas, mais tu es déjà venue ici avec ta mère. Je suis déjà venue ici avec maman. C'est pour ça que j'ai eu ce flashback où j'ai vu maman devant le portail. Tout s'explique. Eh oui. Qu'y a-t-il, Ashley ? Eh bien, je crois que je me souviens vaguement de mon premier séjour ici. Quoi ? Tout à l'heure, en passant devant le portail, j'ai eu un flashback où maman était à l'entrée. Je me suis dit que c'était impossible puisque c'était la première fois que je venais ici. Ça n'avait aucun sens, mais maintenant que tout s'explique. En fait, je suis déjà venue ici et je m'en suis souvenue. Incroyable. Tu te rappelles d'être venue ici à Lake Juliet, bien que 13 ans se soient écoulés ? Oui, c'était il y a 13 ans. Tout à fait. Tu es venue ici avec Sayoko avant tes 3 ans. Et toi, tu étais là ? Non. Je n'étais pas avec vous. Sayoko ne m'avait pas dit qu'elle partait camper. C'est quand même inhabituel. C'est pas rare que les souvenirs d'une personne soient ravivés par quelque chose qu'elle revoit. Mais les souvenirs du passé alors qu'on était encore bébé, c'est bien plus rare. Ashley, tu peux me décrire le souvenir qui te sont revenus quand tu as vu le portail ? J'ai vu le visage de maman, elle regardait le portail, c'est tout. Juste cette image. Je vois. Rien d'autre, tu en es sûre ? Non, c'est la seule chose dont je me souviens. Ashley, si jamais d'autres souvenirs de ta mère te reviennent, tu dois m'en parler, d'accord ? L'histoire est un peu... malsaine quand on y pense, parce que c'est... Alors, la mémoire, c'est un sujet très intéressant, mais concernant les personnages, c'est surtout Richard, mais Richard, c'est, pour moi, il a clairement un cas clinique, hein, genre vraiment, c'est un homme qui a... Donc, sa femme est morte, hein, assassinée, en plus, il se sent coupable, c'est un truc en rapport avec les recherches qu'ils menaient tous les deux, et vraiment, il a un délire de... Il veut pas lâcher le morceau, il veut pas passer à autre chose, il veut pas abandonner, rien, il est vraiment kéblo sur juste sa femme, son meurtre, enfin, voilà, quoi. C'est... Mais même pour Ashley, au final, c'est pas très sain, je trouve, mais bon. C'est bien hein, de vouloir avoir des réponses sur son passé ou sur des choses qui se sont arrivées, mais c'est un peu lourd quand même à porter, surtout pour une gamine, mais bon. C'est ce que tu cherches à savoir ? Oui, il faut que je découvre pourquoi ta mère est venue ici sans me le dire. Je veux connaître la véritable raison. Tu crois qu'elle te cachait quelque chose ? Oui. Je dois découvrir la vérité, c'est ma priorité pour en ce moment. Ah oui ? Oui. Si je découvre la vérité, alors... Alors quoi ? Alors j'arriverai à découvrir la vérité sur Another. Another qui est leur recherche, travail de recherche. Pourquoi maman m'a-t-elle emmenée ici sans t'en parler ?
Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est ce que j'essaye de comprendre. La vérité sur Another, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... explique-moi. Tu te souviens d'Another, n'est-ce pas, Ashley? Et là, on peut dire oui ou non selon si on a joué au 1... Au 1 ou pas. Oui, je m'en souviens. Même si je le voulais, je pourrais pas oublier toute cette histoire. J'imagine. Mais... oui? Je voudrais pouvoir tout oublier. Je comprends. Tu n'as donc pas oublié Another, papa? Comment pourrais-je oublier à cause d'Another, Sayoko? Ta mère s'est sacrifiée pour le protéger. Ashley, est-ce que tu te rappelles la nuit de tes 3 ans? Putain, mais va pas lui redemander, c'est horrible, genre... Comme si je pouvais oublier, j'en fais encore des cauchemars. Je vois. Ashley, écoute-moi. À la mort de ta mère, j'ai fait un serment. Je me suis juré de terminer Another, la cause de sa mort et l'œuvre de sa vie. C'est pourquoi je t'ai confié à Jessica. Je suis allée sur l'île de Blood Edward avec la thèse que ta mère et moi avions écrite sur Another. Another était le point d'orgue de nos recherches, un appareil permettant de contrôler la mémoire. Son but était de remplacer les vrais souvenirs par de faux souvenirs, une véritable révolution. J'ai passé 11 ans à travailler seul à la mise au point d'Another. Peu avant tes 14 ans, je suis enfin parvenue à achever le projet. Bon, au final, il fait quand même un résumé du 1, donc... Je t'ai donc demandé de venir me retrouver sur l'île de Blood Edward. Tu t'en souviens? Nous nous sommes retrouvés dans la maison où je vivais depuis si longtemps. Quand je t'ai vue, j'étais stupéfait. L'adolescente qui se tenait devant moi, c'était ma fille. Je suis restée bouche bée. Je ne pouvais rien faire d'autre que te regarder. Ensuite, nous avons découvert une chose horrible. Là-bas, sur l'île de Blood Edward. L'homme qui, pendant toutes ces années, m'avait aidé à développer et achever Another, voulait en réalité s'emparer pour servir à ses propres intérêts. Cet homme, c'était l'assassin de ta mère. Autre en anglais, putain. Another code, le code autre. À ce moment-là, je pensais avoir tout compris sur Another. J'aurais donc pu tourner la page et rentrer à la maison avec toi. Papa, je croyais que toute cette histoire s'était terminée sur l'île, non? Moi aussi, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que j'arrive ici. Visiblement, je me suis trompée. J'avais absolument rien compris, rien du tout. Ni sur Another, ni sur Sayoko. Mais, Ashley, je t'ai demandé de venir ici, c'est pour te raconter tout ça. Je veux aussi te parler de ta mère, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Nous verrons ça ce soir. Entendu. Bon, ça va, elle veut plus partir finalement, c'est bien. C'est la première fois que je reparle d'Another avec papa depuis le jour où nous sommes revenus de l'île de Blood Edward. Dire que pendant tout ce temps, papa a continué de penser à maman et à Another. Depuis 3 ans? Mais qu'est-ce que c'est 3 ans dans une vie? Lui, le mec, il a passé 11 ans dans un truc en ermite. C'est rien pour lui. Au fait, Ashley, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as un baladeur? Ça doit être pratique pour pouvoir écouter ta musique préférée n'importe où. Je voulais m'en offrir un, mais c'est un peu trop cher. Comme Bernard. Quoi? J'ai dépensé toutes mes économies pour m'acheter une guitare. Tant mieux, ça tombe bien. Attends ici une seconde. Oh, c'est les cadeaux du boulot avec les chèques cadeaux qu'il lui a lui filé, je suis sûre. Bernard l'ermite, bah oui. Le grand, le fameux. Le respecté. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Faire un cadeau de manière un peu mal à l'aise. Le dernier modèle? Ouh. Hmm? Oh. Ce logo. Le... Eh non, celui-là, c'est plus MP4 déjà. On est un peu plus au-dessus. Ah, j'ai une malédiction avec les MP3 quand j'étais ado. J'en ai eu je ne sais pas combien. À chaque fois. Des trucs de récupérer de un tel ou de un tel, ça faisait pas long feu longtemps, j'en ai eu plein de différents. Je me souviens du mur avec ce logo. Maman se tient devant ce mur dans une pièce. Ça prouve qu'elle est déjà venue ici quand même. Ashley? Hmm? Ça va? Tu as l'air complètement ailleurs. Papa, le logo sur le baladeur, que représente-t-il?
C'est le logo du centre de recherche de JC Vallée. Ils nous ont offert ce baladeur à l'occasion de l'anniversaire de la création du centre. C'est même pas un cadeau qu'il a fait lui-même, c'est un cadeau qu'on lui a fait qui refile à sa fille. Je trouve ça horrible, je suis désolée. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop à cheval sur les cadeaux, mais là... J'ai déjà vu ce logo quelque part. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai eu un flashback lorsque j'ai regardé le baladeur. Maman se tenait devant un mur portant le logo et elle était en train de parler avec quelqu'un. Tu es sérieuse, Ashley ? Ça veut dire que tu as vu le logo de JC Vallée lorsque tu étais avec Sayoko ? Oui. Ashley, attends un peu. Je souhaiterais te montrer quelque chose. De quoi s'agit-il ? Regarde un peu. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Oh, ouais, Cluster, moi je rêvais quand j'étais ado d'un genre iPod ou... comment ça s'appelait, un iPod, ceux avec les écrans ? Le même, mais t'avais les iPods, c'était des petits trucs carrés, je crois. Et t'avais la même chose avec un petit écran où tu pouvais faire ça là pour passer les musiques. Et j'avais des copains qui en avaient, j'ai toujours voulu en avoir, mais c'était très cher à l'époque. Oh, mais regardez, c'est une Wiimote. Là, c'est pour la secouer. Quelque chose s'est affiché. Un iPod, ouais. J'ai absolument rien fait. Il s'est allumé tout seul quand je l'ai touché. À quoi ça sert, cet objet ? Attends un peu. Je comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi a-t-il réagi à ton contact ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu l'iPod morceau de sucre hyper pratique quand tu vas quoi ? Oui, c'était le tout. Je crois que c'était le moins cher, j'imagine, le tout petit, là. Qui était stylé aussi. Hein. Est-ce que l'appareil s'est allumé parce que je l'ai touché ? On dirait que oui, il réagit à ton contact. Est-ce que tu en sais un peu plus sur cet objet ? Cet appareil est une... une tasse ! Je sais pas comment on dit du coup, tu dis une T-A-S ? Tu dis une tasse ou tu dis une tasse ? Dans tous les cas, c'est ridicule comme nom. Ou la TAS. Clé USB pas cher. Ouais, pareil, j'avais un MP Man comme tout le monde. Et après, j'ai eu des sous-marques Aldi qui ont duré le temps qu'elles ont duré. Ashley, cet objet fait partie du matériel de recherche de ta mère. Cet objet appartenait à maman ? Oui, l'homme qui a fondé JC Vallée s'appelait Jod Fitzgerald. Il était aussi le directeur du laboratoire MJ où ta mère et moi travaillons sur Another. Je savais que Jod avait transféré vers JC Vallée tout le matériel de recherche du laboratoire MJ. J'ai donc passé en revue l'ensemble des cartons entreposés à JC Vallée. J'ai fini par trouver les affaires de Sayoko. Parmi ces affaires, je trouvais une enveloppe portant la mention TAS et elle contenait cet appareil. Ashley, j'en suis sûre. Sûre de quoi ? Je suis sûre que c'est Sayoko qui a conçu cet appareil. C'est maman qui a conçu cet appareil ? Oui, tu l'as déjà dit. Il n'y a aucun doute là-dessus. La TAS réagit... J'ai pas eu le temps. Seul Sayoko a pu créer un appareil à reconnaissance biométrique comme celui-ci. Mais alors à quoi ça sert ? J'en ai... pas la moindre idée. Je ne sais pas pourquoi ta mère a créé un tel appareil. Je ne saurais dire quelle fonctionnalité il a. Maman a créé cet appareil et il n'y a que moi qui puisse m'en servir. Tu es un sorcier, Harry. Oui, Ashley. Papa, ça te dérange pas si je le garde ? Pourquoi veux-tu le garder ? Bah, peut-être qu'il me permettra de me souvenir davantage de maman. Je suis sûre qu'il va m'être utile. Eh bien, je ne sais pas trop. S'il te plaît, je veux garder cet objet, c'est maman qui l'a créé. Bon, très bien, tu peux le garder. Mais ne le montre à personne, tu entends ? Promets-le-moi et tu pourras le garder. Je te le promets. Elle va garder la télécommande, parfait. Ashley, tu veux bien me montrer le pendentif de ta mère ? Oui, bien sûr. Attendez deux secondes. Alors, Sayoko t'a donné ce pendentif juste avant de mourir. Après m'avoir caché dans le placard, elle l'a placé dans la paume de ma main. Elle m'a dit que si je le serrais très fort contre moi, il ne m'arriverait rien. Est-ce que je peux t'emprunter le pendentif pour la journée ? Oui, si tu veux, mais pourquoi faire ? Pour la même raison pour laquelle tu souhaites garder la TAS, ta mère.
ta mère. Pardon. Je comprends. C'est pas moi. Désolée, Ashley. C'était mon estomac. Toi aussi, tu as faim, hein? Ah bah voilà, ça rigole un peu. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Pour être franc, je n'ai encore rien avalé de la journée. Allons allumer ce barbecue, qu'en dis-tu? Et le charbon de bois? Je vais en chercher à l'accueil, tu n'as qu'à m'attendre ici. C'est bon, je m'en charge. Tu en es sûre? Crois-moi, ça ira plus vite si c'est moi qui m'en occupe. Merci. Bon, je reviens tout de suite. Ah mais c'est vrai que j'ai un baladeur maintenant. Je vais pas en profiter pour écouter un peu de musique. D'accord. Du coup, elle a le baladeur, j'imagine que c'est pour écouter les OST du jeu, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est juste pour avoir accès aux OST du jeu, si je dis pas de bêtises. Bizarre, il s'allume pas. C'est quoi le problème? Il y a pas de pile? Ah, attendez. Ah, c'est tricky! Ouais, mais je peux pas regarder. Ah si, c'est bon. Bah, y a pas de pile, donc forcément ça va marcher moins bien. Chercher des pelles. Est-ce qu'il y en aurait ici, peut-être? Non, c'est une boîte d'allumettes. Papa, t'as pas des piles? Non. On peut prendre des chewing-gums aussi. Au passage. On va aller en acheter à l'accueil du charbon et voir s'il a des pelles. Qui est stalkeuse x20. C'est mon nounours. Ah, je peux le prendre en photo. Ah. Comment ce garçon l'a-t-il obtenu? Est-ce qu'on peut s'acheter des bonbons? Non, c'est pas ça que je voulais. Oui. Ah, ah merde. Je... Elle m'a mis un stop direct, genre. Non mais je peux pas, j'ai pas le time là. Qu'est-ce que c'est encore? Ah ah! La TS qui a fait ce bruit, elle a émis un signal. Normalement, je peux utiliser la TAS sur la porte. Et en fait, ça permet d'ouvrir les portes. Je sais pas exactement l'utilité, mais écoute. Tac. Ah! Là, on va avoir un petit problème parce que je me rappelle plus exactement. Merde. Il va falloir juste que je regarde parce que dans mes options de manette, configurer l'emote. Ah voilà, faut juste que je me rappelle. Error. Mais ouais, mais parce que... Merde, pardon. Excusez-moi. J'ai mis mes raccourcis. Faut juste que je vois à quoi ils correspondent. Merde. Je suis con. A, B, tac, et 1, c'est Y, et plus, j'ai mis... Voilà, c'est forcément, j'ai tout mis sur la manette, donc il fallait que je mette le... mes configurations de boutons devant les yeux, parce que je me rappelle pas de tête.
Donc la porte est déverrouillée. C'est le bordel là-dedans. Bœuf séché. Une bouteille d'eau par terre, super. Une pelle. Plein de trucs. Ok. La porte est ouverte, c'est par là qu'il a dû sortir. Mais... Voilà. Les traces de pas, sûrement celles du gamin. Bah allons voir, hein. Encore ce chien. Le gamin, il a dû se faufiler par le trou du grillage. Je vais faire pareil. Quoi? Pousse-toi! Ouais, du coup, il s'est barré. Ah, mais c'est pas vrai! Attends! Ça qu'il veut. Bah ouais. Autant utiliser le bœuf séché. Ouh là là. Je vais balancer le bœuf séché à la tronche. Alors, comment on va faire pour balancer la bouffe? Ah, regardez. Là, comme ça. Ah bah voilà, super. Bah, je peux passer maintenant. Hé, là! C'est qui? On va croire c'est de ma faute. Faire engueuler. Ah, salut! C'est pas de ma faute, hein. Ashley, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train d'essayer d'éloigner ce chien pour pouvoir passer par le trou. Un chien? Oui, le chien, là. Où ça, là? Ah, il est parti. Il y avait vraiment un chien de l'autre côté du grillage. Ouais, c'est ça. En attendant, j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour entrer dans la remise. T'as dû passer par la remise pour venir ici. Et quand je sors, je verrouille toujours la porte. J'attends tes explications avec impatience. Comment t'as déverrouillé la porte? Elle était pas fermée. Arrête de me prendre pour un imbécile. Je suis certain de l'avoir verrouillée. Mais non, elle était ouverte. Mon père m'a envoyé chercher du charbon de bois, mais il n'y avait personne. Salut Estérial, coucou. On est sur Another Code R en milieu d'après-midi parce que je dois bouger après. Du coup, je me suis dit que j'allais lancer maintenant, plutôt que pas du tout. Ça fait quoi? Ça fait une petite heure et demie qu'on est sur le jeu. Ensuite, j'ai entendu du... Attends, je parie que t'as entendu du bruit dans la remise. Exactement. Il y avait du bruit bizarre. Alors, je suis allée voir. Il y avait des trucs par terre. J'ai un peu de mal à te croire. C'était pas toi qui as volé la nourriture dans la boutique? Mais non! C'est la suite d'Another Code? Oui, c'est Another Code R, c'est la suite. Direct. Jamais je ferai une chose pareille. Qui est coupable alors? C'est le gamin qui est passé par le trou du grillage. Un gamin, de mieux en mieux. Et où il est passé ce gamin? Je sais pas. Bon Ashley, tu peux prouver que tu n'as pas volé la marchandise? Bah ouais, parce que j'ai pris une photo tout à l'heure. Ah ah. J'ai une photo qui prouvera mon innocence. Photo? Montre-la moi. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est la photo du gamin que j'ai vu dans la remise. Ah, on dirait bien que t'étais pas seule. Ok, ta photo m'a convaincue. Mais c'est pas toi qui fouinais dans la boutique. Ah, j'ai eu chaud. Tu sais au moins que c'est pas moi. Ouais, je t'ai accusé à tort. Désolée, j'ai pas été très sympa avec toi. Tu me pardonnes, hein? Je t'en veux pas, je suis contente qu'on ait réglé cette histoire. Je me demande comment ce gamin est entré dans la remise. La porte était de derrière, aurait dû être verrouillée. Bonne question. Elle est fermée par un verrou à carte comme l'autre porte. Tu veux parler du portail du camping? Ouais, c'est à peu près ça, sauf que le pass que je t'ai donné ne peut pas ouvrir cette porte. Ah, au fait, t'étais venu me chercher du charbon de bois, non? Oui, j'ai failli oublier. Mon père préparait le barbecue, mais bien sûr, il a oublié le charbon de bois. Ok, je vais t'en chercher, attends-moi au comptoir. Mais moi, je voulais passer par le trou, du coup, on peut pas... Bah voilà.
Désolée d'avoir mis autant de temps. Bah, pas de soucis, écoute, je me suis téléportée jusqu'au comptoir, je vais pas dire non. Et voilà ton charbon de bois. Merci. Je vous souhaite un bon appétit à ton père et toi. Merci, j'espère que tu vas pas trop t'ennuyer ici à l'accueil. Bah, espérons-le. Va quand même falloir que je fasse plus attention à ce que la porte soit toujours verrouillée. Je risque d'avoir des ennuis si quelqu'un fouine à nouveau dans la remise. C'est sûr. Je devrais me concentrer un peu plus sur le boulot que sur les pauses, et pas seulement à cause de ces histoires de vol. J'ai une maison... Une maison a été incendiée, et j'ai pas trop envie qu'il arrive la même chose ici. Je comprends. Le garde forestier m'a parlé des gens louches susceptibles d'avoir été impliqués dans l'incendie. Il m'a dit qu'ils traînaient souvent dans les bois pendant la nuit. Ouais, ils ont quelque chose à voir là-dedans, ça va chauffer. Faites brûler une maison que j'aimais... Y a de quoi me mettre en rogne. Tu étais attaché à cette maison ? Ouais, c'était une vieille maison, mais elle avait un charme particulier, tu comprends ? C'était ça que j'aimais le plus. Ah, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé voir comment elle était. Ah, j'ai une photo sur moi, tu veux la voir ? Ouais ? Et voilà le chef-d'œuvre. Le mec, il avait une photo d'une maison qui n'était pas à lui sur lui. Ok. C'était une jolie maison, elle avait un toit rouge qui ajoutait des notes de gaieté. Ah, évidemment. Visiblement, nous sommes déjà venus ici. Donc on connaît cette maison. J'ai déjà vu quelque part. Cette maison incendiée, ma mère y était allée. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ça va? Oui, oui, ça va. Merci de m'avoir montré la photo. Ok. Bah, let's go, hein. J'ai cru que la musique, elle se lancerait pas. Ah, bah, il y a encore Dan. Il est toujours là. Il change pas d'endroit. Bouge pas. Dan! L'accès au décompte de la maison est interdit. Entendu? Ah oui, non. Il est vraiment là juste pour faire le garde. Ok. Enfin, en même temps, c'est un garde forestier, donc oui, mais... Je pensais pas qu'il allait rester au même endroit, exactement. Ah, j'ai pas pris les chewing-gums, du coup. Bon, c'est pas grave. On ira un autre jour. C'est pas grave. Oh. Papa? Ah bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ashley! Il y a un problème? Ah. Désolé, mais... On m'a appelé d'urgence. Je dois immédiatement retourner au labo. Tu plaisantes? Eh mais non, mais... Mais son père, mais quel... Oh, mon Dieu! Il m'énerve. Je fais quoi, moi, en attendant? Gina, mon assistante au laboratoire, va venir te tenir compagnie. Pour le barbecue, vois avec elle et attends-moi au campement, d'accord? Je suppose que j'ai pas le choix. Je vais attendre au campement. Oui, c'est ça, attends-moi avec Gina. Et puis, la DAS et la TAS, ne les montre à personne, d'accord? C'est bien compris. Oui, oui. Ok, je rentrerai aussi vite que possible. Mais genre... Connard. Y a pas d'autre mot? Bah tu m'étonnes, toujours la même chose. Oh la pauvre. Oh ah non, mais la pauvre. Oh là là, mais non. Je me demande comment est Gina. Mais on s'en fout d'elle, elle devait être avec son père, pas avec une meuf qu'elle connaît pas. Mon Dieu. Merde, j'ai un coup de barre. Je ne peux pas m'imaginer faire un barbecue avec quelqu'un que je connais pas. Bah ouais, parce que là... Quelle galère, je pensais que je pourrais enfin parler tranquillement avec papa. J'ai tellement de choses à lui dire. Bon, tout ce qui s'est passé ici, tous ces flashbacks avec maman, je dois tout repasser en vue pour m'attacher à chaque détail. Et là, on arrive dans la partie nulle des jeux Sing, c'est-à-dire où on fait rebelote sur ce qui s'est passé dans le chapitre qu'on vient de faire pour devoir répondre à des questions pour avancer dans l'histoire. Donc nanana, récemment il m'a envoyé une lettre, blablabla. Bla, bla. Que m'a-t-il envoyé avec cette invitation? La DS, la nouvelle. Oui, c'est ça, il m'a envoyé le dernier modèle de la DS. Pourquoi m'a-t-il envoyé une nouvelle DS? J'en sais rien. J'ai pris le bus pour me rendre avec Juliette. Quand je suis descendue dans le bus, quelqu'un m'a bousculé et m'a volé mon sac. Qui j'ai rencontré près du portail du camping? Dan.
C'est ça, j'ai rencontré Dan, le garde forestier. Je lui ai raconté qu'on m'avait volé mon sac. Il m'a dit qu'il essaierait de le retrouver. Je me suis inscrite à l'accueil et j'ai finalement retrouvé mon père au campement. Je lui ai dit ouvertement que j'étais très en colère contre lui. Ensuite, nous avons discuté et ça m'a fait du bien. Il voulait faire un barbecue, mais nous n'avions pas de charbon de bois, alors je suis allée à l'accueil. Mais j'ai entendu un bruit étrange et je suis entrée dans la remise. Qu'est-ce que j'y ai vu ? Un garçon avec un ours en peluche. Ouais. Pourquoi ça marche pas ? Ah, voilà. J'ai vu un garçon avec l'ours en peluche qui était dans le sac qu'on m'a volé. Lorsque je suis arrivée avec Juliette, j'ai eu un flashback avec ma mère. C'était qu'une image, je me rappelle juste l'avoir vue. Je vais essayer de me souvenir davantage d'elle. Ah, et là, ces petits changements, c'est qu'on nous demande de remettre le flashback dans son contexte. Où était-elle ? Devant le portail, devant J.C. Vallée. Moi, elle était devant J.C. Vallée à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Alors, je sais, non, je pense qu'on dirait J.C. Vallée, je pense. Mais bon, j'avais 13 ans à peu près quand j'y ai joué. Non, plus, moins. Non, j'étais plus vieille, j'avais genre 14-15 ans quand j'y ai joué, donc... Je me rappelle avoir vu cet endroit, ok. Pourquoi es-tu venu ici il y a 13 ans sans avoir parlé à papa ? Pourquoi as-tu créé la tasse, les souvenirs que j'ai de ma mère sont encore très flous. Petit à petit, je réussis à reconstituer le puzzle. Au final, c'est un peu comme Another Code. Je crois qu'il a une toute petite durée de vie, enfin une durée de vie un tout petit peu plus... boire la tasse. Un petit peu plus longue. Mais en soi, c'est pas des jeux qui se mettent trop long, très longtemps à se finir. Il est vraiment plus long qu'Another Code, le premier. Mais ça va. Là, par exemple, ça fait exactement 1h37 qu'on est lancé. Enfin, et on est déjà à la fin. On a déjà fait un chapitre, au final. Je me suis procuré du charbon de bois à l'accueil pour le barbecue. Les barbecues, comme dit ma grand-mère. De retour au campement, papa m'annonce qu'il a été appelé d'urgence au laboratoire. Il m'a dit d'attendre Gina, la personne qu'il m'a envoyée, pour me tenir compagnie. Super, hein. Super attention, papa. Génial. Rencontre avec Mathieu. Alors. Mes cheveux, c'est une catastrophe, par contre, en vrai. Alors. Ah, j'ai eu un bonjour. Bonjour de qui ? Gina ? Tu dois être Ashley, n'est-ce pas ? Oui. Qui êtes-vous ? Gina a eu un empêchement de dernière minute, je suis venue à sa place. Nous allons faire ce barbecue ensemble. Franchement. Premier abord, là maintenant, ceux qui sont là, les gens qui sont présents sur le chat, mes chers petits camarades, là, maintenant, vous regardez la tête de ce monsieur, est-ce que vous trouvez qu'il a l'air friendly ? Vous êtes venu à la plage de Gina, quel est cet empêchement de dernière minute ? Gina m'a dit que le professeur Robbins l'avait chargé de te tenir compagnie, mais elle a malheureusement reçu du travail urgent et ne pourra pas venir. Un bout en train ? Quel bijou même. Non, du tout. Ah, c'était le premier degré. Non, lui, non, ça pue. Tu as raison. Franchement, c'est un perso qui m'a jamais... Le méchant. C'est le méchant. Il a pas une tête... Mais dès le départ, je veux dire, là, ça fait 1h37 qu'on joue. On rencontre pour la première fois ce personnage. Tu te dis pas... Oh, un copain. Trop bien. Ouais, non. Du travail urgent, que se passe-t-il ? Je ne sais pas précisément de quoi il s'agit, mais elle a dû rester au labo. C'est pourquoi je suis ici. Je pense que Gina a déjà prévenu le professeur Robbins du changement de programme. Je lui fais une voix un peu nasillarde, parce que je trouve qu'il a une tête à avoir une voix nasillarde. Je sais pas, il est tout... Donc je sais pas. Mais tu as l'air déconcerté. Ai-je l'air si terrible ? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Oui ? Je trouve que faire un barbecue avec quelqu'un qu'on connaît pas est un peu... Oh putain, ce chien, Fano. Étrange ? Oui. Je partage ton sentiment. C'est vrai ? Bien sûr, mais peut-être que même dans des circonstances aussi imprévues, deux inconnus peuvent partager des affinités et passer un bon moment ensemble. Il est horrible, hein ? Mon Dieu. Je ne me suis même pas présentée, je m'appelle Ryan Gray.
Il a les cheveux gris et il s'appelle Ryan Gray. Je suis un scientifique de J.C. Vallée, tout comme ton père. Je suis un scientifique. Allez, let's go. Enchanté. Ah bah. Dorian Gray. Oh non, putain. Le jeu existait avant, hein, je suis désolée. Francis Blondin, enchanté. Je connais ce visage, je l'ai déjà vu quelque part. Myers. Il est plus beau en dessin quand même. Ryan Gray. Je n'ai pas déjà rencontré cette personne. Ok. Ashley, hmm? Tout va bien? Tu avais l'air si pâle, j'ai cru que tu allais t'évanouir. Ryan, oui. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Je ne crois pas. D'après mes souvenirs, c'est la première fois qu'on se rencontre. Cependant, il arrive que deux personnes qui se croisent pour la première fois aient une impression de déjà-vu. Non, je suis quasiment sûre de vous avoir déjà vu quelque part. Vraiment? Je m'en suis souvenue en vous voyant. Pas de doute, c'est la première fois qu'on se croise. Tu te rappelles le contexte de notre rencontre? Oui, je crois. Je suis venue ici avec ma mère il y a 13 ans. Peut-être que nous nous sommes rencontrés à cette occasion. Je vois. Ashley, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Il y a 13 ans, tu avais à peine 3 ans. Il existe une théorie de la myélinisation dans l'hippocampe, une partie du cerveau. Comme son processus de développement est très lent, l'hippocampe n'est pas totalement formé chez les jeunes enfants. Si l'on considère que la mémoire implicite, celle qui rassemble les émotions, les premiers gestes coordonnés et la mémoire des visages se développent avant l'âge de 3 ans, il est possible que tu te rappelles des choses qui se sont passées il y a 13 ans. Mais d'après les résultats des tests, les sujets étaient incapables de se souvenir des événements qui ont marqué leur enfance, ce qui prouve que leur mémoire explicite n'était alors pas encore développée. Ah ben on va passer un bon moment avec lui en tout cas. Il pue le visiteur Japan Expo qui aime les lolis. Oh mon dieu. Désolée, j'ai pas tout suivi. Je veux dire que même si tu penses te rappeler de mon visage, tu te bases sur des souvenirs ambigus et peu fiables. Ok, des souvenirs ambigus et peu fiables. Mais dès que je suis arrivée ici, je me suis rappelée de ma mère. Ashley, es-tu en train de dire que ton arrivée ici a déclenché des souvenirs de ta mère? Oui. Puis-je te poser une question? Allez-y. Est-ce toi qui as décidé de faire ce voyage? En d'autres termes, est-ce toi qui voulais venir? Non. C'était une idée de mon père. Si je comprends bien, le professeur Robbins t'a invité. Oui. Mon père sait que ma mère est venue ici avec moi il y a 13 ans. Pourquoi tu lui racontes tout? Moi, je comprends pas. Pourquoi elle lui raconte toute sa life en juste l'espace de... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends. Avant d'arriver ici, je ne savais pas que j'y étais allée, alors encore moins que c'était avec ma mère. Mais lorsque j'ai vu cet endroit, tous ces souvenirs... Elle l'a pris pour un psy, non mais oui, c'est ça. Tous ces souvenirs de ma mère et de notre séjour ont ressurgi. Et tu t'es souvenue de moi en me voyant, c'est bien ça? Oui, mais si vous me demandiez si je suis tout à fait certaine de ces souvenirs... Il a l'air tellement sympathique. Ah oui, je ne pourrais pas certifier qu'ils sont exacts à 100%. Je vois. Ashley, ce que tu as vécu s'appelle un flashback. Une expérience traumatisante ou un choc psychologique peuvent provoquer un flashback. Est-ce quelque chose de ce genre s'est produit il y a 13 ans? C'est possible. Ma mère est morte le soir de mon 3e anniversaire. Elle est morte il y a 13 ans. En effet, Sayoko Robbins a été assassinée il y a 13 ans à l'âge de 28 ans. Attendez, vous êtes au courant de ce qui est arrivé à ma mère? Bien sûr. Le décès de Sayoko Robbins a représenté une grande perte pour la communauté scientifique. Moi j'aime bien, c'est vrai. Je pense que cette voix lui va bien parce qu'il fait vraiment, il déblatère des informations en fait, il a vraiment un débit de parole, je pense un peu j'allais pas dire autistique, mais il est vraiment en mode, il est dans son truc, il déroule les informations et puis il a pas l'air d'avoir des émotions, il a un regard très, enfin je sais pas, en tout cas moi c'est comme ça, je l'ai toujours compris et je me rappelle à peu près de l'histoire d'Another Code R et ça colle bien. Petit côté RPG, la magie médiévale, ah bon je trouve. Notamment pour tous les chercheurs qui travaillent sur la mémoire. Et voilà que 13 ans plus tard, j'ai la chance de rencontrer sa fille. Quelle drôle de coïncidence. Ok. Cet homme sait ce qui est arrivé à maman. Quelqu'un avec Juliette sait ce qui est arrivé à maman. Je me rappelle avoir vu ce quelqu'un dans mes souvenirs liés à ma mère. Ok.
Oui, oui, j'ai compris la musique, ouais. Elle est champêtre, on va dire. C'est le lieu qui veut ça, je pense. On devrait peut-être mettre ce barbecue en route, qu'en dis-tu? Il arrive avec sa mèche, genre, allons-y. Bon, plus là. Oui, non, mais j'ai compris, t'inquiète, Tabasco. Tu pourrais te charger de l'allumer. Pendant ce temps, je prépare les légumes et la viande. Ok. Je dirai rien. Alors, on a le charbon. Là. Là. Et là. Bon, versons le charbon de bois. Ok, ensuite. Le feu! Il est où? Les allumettes. N'oubliez pas qu'il n'est pas exclu qu'à un moment, on se retrouve dans une énigme nulle et qu'à cause des contrôles, on soit un peu en galère. C'est pas une histoire de difficulté du jeu, c'est juste par rapport à la maniabilité de ma fucking manette. Ok. Je craque l'allumette moi-même ou pas? Non, ça va. Faut juste laisser l'allumette à proximité des flammes. Il ne brûle pas correctement. Comment y remédier? Avec ça, morceau de carton, oui. Pour faire le vent, enfin faire du vent sur le truc, sur les braises. Essayer. C'est pas exact, hein. C'est pas une science exacte ce que je suis en train de faire. Parce que je suis concrètement en train de trifouiller du joystick là. Alors, en vrai. Bah de base, hein, même dans Hotel Dusk et tout, c'est pas des gros gameplays. Les énigmes ne sont pas des énigmes de logique, par exemple comme dans Professor Layton. C'est vraiment juste de l'interaction avec les objets qui juste rendent le truc un petit peu plus vivant au final. C'est juste ça. Après moi ça me dérange pas, je sais qu'il y a des gens que ça peut rebuter quand c'est pas des énigmes qui posent de la difficulté, mais... Alors j'en ai démarré des barbecues et le gameplay a l'air ok. Salut Rabide. Bah hey, le gameplay j'en ai allumé aussi et le gameplay il est ok là-dessus hein. Franchement ça passe hein. Franchement ça aurait pu être pire. Juste tac. Quelle heure il est? Je regarde juste l'heure. 38, on a le temps encore, c'est bien. On dirait que les choses avancent. J'ai aussi terminé de préparer la viande et les légumes. Il ne nous reste plus qu'à les embrocher et les faire griller. Ok, super. Je vais aussi jeter le morceau de carton dans le feu. L'excitation de remuer du carton. Bah surtout quand t'as pas les bons contrôles et que t'es là genre juste pour agiter du carton. On dirait que les brochettes sont grillées à point. Ah mince, c'était pas la bonne voie. Merde, pardon. On s'en fout, c'est pas grave. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Content que ça te plaise. C'est étrange. C'est comme si j'étais en compagnie de Sayoko. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je lui ressemble? Oui, c'est ta couleur de cheveux est différente. Car c'est étrange d'avoir 16 ans et d'avoir les cheveux blancs sans coloration. Mais tu as les mêmes yeux noirs qu'elle. Vous la connaissiez bien? Oui, elle faisait partie des gens que l'on n'oublie jamais. Ah bon? Nous avions de nombreux points communs. Dites-moi, Ryan. Oui? Puis-je vous poser quelques questions sur ma mère? Bien entendu, parlons d'elle après avoir mangé. Reprends quelques brochettes. Volontiers. Pourquoi après? Je comprends pas. C'était vraiment délicieux, c'est drôle, on dirait que c'est bien meilleur quand on mange en plein air. C'est vrai, c'était très bon. Est-ce que tu aimes les barbecues? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Oui, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui c'était encore meilleur que d'habitude. Moi qui n'aime pas les poivrons, j'en ai même mangé sans faire la grimace. Tu n'aimes pas les poivrons? Je déteste ça. J'arrive à en manger s'il le faut, mais quand j'étais petite, pas moyen de me les faire avaler. C'est pareil pour moi. C'est vrai?
Je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier ce qu'on n'aime pas, c'est de manger à sa manière. On dirait que ce barbecue était juste ce qu'il te fallait. Qui d'autre a des cheveux presque blancs ? Francis Gray. J'en suis donc certain. Ok, ok. Je suis contente que Ryan me tienne compagnie. Je pensais que tous les scientifiques étaient comme papa. Mais Ryan aime bavarder, il est ouvert. Il y a des scientifiques qui sont sapins, on dirait. Elle clash son père gratos. Parlons de Sayoko maintenant, Ashley. Tu voulais me poser des questions sur elle ? Oui. Comment avez-vous fait sa connaissance ? Avant de trouver un poste à JC Valley, je travaillais occasionnellement dans le laboratoire MJ. Maman travaillait aussi au laboratoire MJ, non ? En effet. Le professeur Robbins et Sayoko y menaient leurs recherches sur Another. Alors vous savez ce qu'est Another ? Oui, je sais tout. J'ai rencontré Sayoko alors qu'elle travaillait sur Another. Ah. Il y a donc des personnes à JC Valley qui savent ce qu'est Another. Oui, vous l'avez déjà dit, ça. C'est exact. Pourquoi vous m'avez dit que maman est une personne qu'on ne peut pas oublier ? Je voulais dire que je me souviens très bien d'elle. Pourquoi ? Sayoko est la première scientifique de renom avec qui j'ai travaillé. Elle m'a enseigné les principes fondamentaux de la recherche. Quel genre de personne elle était ? C'était une scientifique incroyable, c'était la meilleure. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de scientifique à son niveau. C'est-à-dire que même son père à elle est moins bon que sa mère. Elle était si douée que ça ? Incontestablement. Et si elle était toujours en vie, je ne peux qu'imaginer toutes les inventions qu'elle aurait conçues. Bien dommage. Pourquoi m'avez-vous dit que vous aviez de nombreux points communs avec ma mère ? Eh bien, nous avons tous deux consacré notre vie à la recherche. Pour elle comme pour moi, la recherche a toujours été une vocation. La science est dans nos gènes, en quelque sorte. Comment ça ? Mes parents étaient tous deux des scientifiques. J'ai commencé à faire de la recherche à l'université à l'âge de 10 ans. Ah, c'est donc un surdoué ! Tout à fait. Mais je n'ai commencé la recherche à proprement parler qu'à l'âge de 16 ans. Puis je suis entrée à JC Valley et me voilà. Vous êtes devenu un scientifique à 16 ans ? C'est bien ça. C'est incroyable, vous devez être un génie ! Il paraît que Sayoko a commencé à 18. Impressionnant. À ton âge, tu devrais commencer à savoir ce que tu veux faire plus tard, non ? Quel métier t'attire ? Elle à côté, genre... Bah moi, je veux être musicienne. Let's go ! Musicienne. Musicienne ? Oui, je rêve de devenir musicienne. Un jour, je composerai mes propres chansons. J'aimerais écrire des textes qui touchent les gens, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je vois, je suis sûre que tous les jeunes ont un rêve. Même si ces rêves sont rarement exaucés, tout le monde est libre de rêver. Ashley, je crois comprendre que comment tu envisages l'avenir. Mais nous avons une courte conversation. Oui, je te comprends très bien. Certes, tu ressembles énormément à Sayoko physiquement, mais tu es con. Salut Rayus, coucou. Mais pour ce qui est du caractère, tu tiens entièrement du professeur Robbins. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Papa ? Incontestablement. C'est sa phrase, je pense à lui. Incontestablement. Ryan. Oui ? Comment décrivez-vous mon père ? Eh bien... T'as aucune chance. Ton père est très travailleur, mais il est un peu con. Ça, j'avais remarqué. Ashley. Puis-je te poser une question ? Bien sûr. Vas-tu souvent camper avec le professeur Robbins ? Non, c'est la première fois. Je suis sûre que cette idée de camping était juste un prétexte pour me faire venir ici. Un prétexte ? Oui. Ça fait 6 mois que papa n'est pas rentré à la maison, même pas un week-end. Jessica a dû lui dire que j'étais furieuse contre lui. Ça lui a fait une raison de venir me voir. Je comprends. Il lui arrive d'être très égoïste parfois. Alors vous pouvez imaginer que ce n'est pas toujours facile d'avoir un père comme ça. On est sans cesse dans l'imprévu. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Il est con quoi ? S'il est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose ? On m'a volé mon sac. Je n'aurais pas dû venir. On t'a volé ton sac ? Oui. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Il n'y avait quoi que ce soit d'important dedans ? Des vêtements, des partitions, ma boîte de médiator, mon ours en peluche et un peu d'argent. C'est tout ? Oui. J'avais rangé le pendentif de maman dans mon sac banane, heureusement. Le pendentif de ta mère ? C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Quel genre de pendentif est-ce ? Il est en forme de larme et il y a une espèce de liquide dedans, il est magnifique. Puis j'y jeter un œil ? Je vous l'aurais bien montré, mais je l'ai confié à mon père pour la journée. Je vois. C'est louche de poser des questions comme ça, monsieur. Pourquoi m'avez-vous dit que mon père travaillait dur ? Eh bien, le professeur Robbins est le genre de scientifique qui a investi toute son énergie dans son travail. Il est très curieux et n'abandonne pas avant d'avoir trouvé des réponses à ses questions. Ce qui est tout à fait l'opposé de Sayoko et moi. Ah,
Ah, Ashley. Ryan, c'est qui a appelé? Ah, oh non, bah j'ai fait Ryan alors que c'était une jeune fille. Salut. Oh non, Elisabeth. Que fais-tu ici? J'ai téléphoné au labo. On m'a dit de te trouver, que je te trouverai ici. Qu'y a-t-il? Tu as besoin de moi? J'ai perdu quelque chose. De quoi s'agit-il? Le truc qui a été distribué à tout le monde lors de l'anniversaire du JC Valley. Tu en as un aussi, non? Ce truc-là. Et? Ryan, tu peux me rendre un service? Je t'écoute. Aide-moi à retrouver mon baladeur. Putain, mais en fait, elle saoule tout le monde juste pour un baladeur, en fait. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Je ne peux pas partir avant le retour du professeur Robbins. Et pourquoi ça? J'ai promis au professeur Robbins de tenir compagnie à Ashley. Ryan, oublie cette stupide promesse. Personne n'en saura rien. Sale pouf. Excuse-moi. Le choc. Quoi? Salut. Mon nom est Ashley, Ashley Mitsuki Robbins. Je vais voir, et en quoi ça me regarde? Ah bah yes. Hein? Énervant sur 20. Ah oui, et là je fais exprès un peu pour bien appuyer le truc. On a oublié de t'apprendre la politesse? T'es qui d'abord? Elisabeth Alfred. Insupportable. Elisabeth Alfred? En personne. Mon père dirige JC Valley, il s'appelle Rex Alfred. Une petite claque sur lui. En quoi ça me regarde? Oh, il lui balance les trucs, incroyable. En fait, ça te regarde pas mal, ça veut dire que mon père est le patron de ton père. Je pensais que tu ferais mieux de le savoir. Pourquoi? Je m'en fiche. C'est ça. Quel âge as-tu? Je peux lui mentir, genre, j'ai 18 ans. Coup de pchit comme pour Bernie. 16 ans, allez. J'ai 16 ans. Le même âge que moi? Bien sûr. Quel est le problème? Désolée, on dirait que t'as 14 ans. Non, vraiment, 16 ans dans tes rêves. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible parce que je sais que je fais pas mal bien et du coup c'est horrible à faire. Tu ne me crois pas? Nous n'avons certainement pas le même âge. Tu as perdu ton baladeur? C'est pas à toi que je m'adressais, je voudrais l'aide de Ryan, alors s'il te plaît, occupe-toi de tes oignons. C'est quoi ton problème? Quel est le problème? Tu sais très bien de quoi je parle. Ashley, je vais aller aider Elisabeth à trouver son baladeur. Hein? Vu l'ambiance entre vous, je crois que c'est la meilleure solution. Ryan, on y va, oui ou non? Oh mon dieu. Allez-y, ouais, barrez-vous. Allez, pchit. Nous n'avons pas besoin de ta permission. Ah, l'horreur. Allez. Ashley, je ne serai pas long, tu n'as qu'à faire un petit tour en attendant. Les environs sont agréables, les paysages sont magnifiques, ça te plaira, j'en suis certain. Va te promener, Ashley, toute seule, sans connaître personne. Vas-y. Oh, la pauvre. Ah, elle a disparu. Bourgeois au feu, là. Allez, cassez-vous! Ah, petit message de Popa. Tu te régales, excuse-moi de ne pas pouvoir me rendre au camping pour le moment, je suis débordée. Pourrais-tu récupérer mon sac et me l'emmener au cottage? Mon cottage se trouve juste après le pont couvert. Ton cottage. Bah oui, il n'habite pas dans le camping, il dort bien quelque part, ce bon vieux. Ah bah, il y a la mallette de loup de patate. La mallette de Ryan, il a dû la laisser. Ok. Bon, du coup, je prends la mallette de Ryan et je vais prendre aussi le sac à dos de Popa. Il est parti si vite qu'il a dû l'oublier. Je vais lui apporter. Ah bah, le chapeau de cow-boy aussi. Super. Bon, on s'en va, du coup. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que je peux sauvegarder quand je veux ou c'est à chaque fin de chapitre seulement? Pas que on arrête dans la minute, mais quelle heure il est? 49. On peut jouer encore un petit peu. Juste sauvegarde au cas où, parce que franchement, là, ça arrive de pas donner une sauvegarde ou d'avoir un bug de l'émulateur ou peu importe. Mais un jeu comme ça, tout ce qui est point and click, c'est très chiant d'avoir à tout refaire, les dialogues et tout quand ça bug, c'est insupportable. Le genre de truc qui m'a déjà fait arrêter des point and click, hein, genre flemme.
Ashley. Hmm? Dan, as-tu retrouvé ton père? Oui. Bon, le vol de ton sac ne l'a pas trop contrarié? Si, un peu, j'ai rempli une déclaration de vol à l'accueil de toute façon. Même si tu t'inquiètes sûrement pour ton sac, essaie de t'amuser un peu. N'oublie pas que je cherche ton sac pendant que je patrouille. Merci, mais je me demande si je vais le retrouver un jour. Ne perds pas espoir, je suis sûre que quelqu'un va finir par le retrouver. Où est ton campement? Si j'apprends quoi que ce soit de nouveau, je viendrai t'en faire part. Tout droit par là, mais il n'y a personne pour le moment. Il n'y a personne? Mon père a été appelé d'urgence au labo, et maintenant il veut que j'aille à son cottage. Au labo? Ashley, ton père travaille pour JC Valley? En effet. Ah, alors ton père doit être le professeur Robbins. Bah, ils se connaissent, hein, Peck? Vous connaissez mon père? En quelque sorte. Je savais qu'il avait une fille, mais je me doutais pas que c'était toi. Comment avez-vous fait la connaissance de mon père? Eh bien, c'était il y a quelques mois. J'ai aidé ton père à mettre un appât à son hameçon alors qu'il pêchait au bord du lac. Depuis, nous nous croisons de temps en temps et nous discutons un peu quand je patrouille. Mon père pêche? Il semble qu'il se soit mis à la pêche récemment, mais il n'a encore jamais fait de grosses prises. Les poissons ne font que manger ses appâts. Ça ne m'étonne pas. Mais il est vrai que ces derniers temps, le poisson ne mord plus trop au lac, enfin. Ton père me fait bien rire. Il vous fait rire, mon père? Oui, dès qu'il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il réagit comme un petit enfant. Il est tellement focalisé sur ce qu'il fait qu'il ne prête pas la moindre attention à ce qui l'entoure. Son centre d'intérêt actuel semble être Lake Juliet. Chaque fois que je le rencontre, il me bombarde de questions à propos du lac. Tu sais comment aller au cottage de ton père? Il se situe près après le pont couvert, c'est ça? C'est ça, tourne à droite et tu verras le lac, puis suis le chemin jusqu'au pont couvert. Il y a d'autres cottages dans les environs, celui de ton père est le premier à gauche. Le premier à gauche. C'est bien ça. J'avertirai ton père si je trouve ton sac, d'accord? Ok. Une dernière chose, Ashley, j'aimerais que tu regardes cette photo. Tu n'aurais pas aperçu ce garçon dans les parages par hasard? Si, je l'ai vu. Vraiment? Oui, il était dans l'accueil. Il était à l'accueil, il est entré dans la remise et a mangé de la nourriture qui était entreposée. Je vois. Il ne doit pas être loin, alors. Pourquoi le cherchez-vous? Il a été déclaré comme personne disparue. Pourquoi il a été... Attends, j'ai mon truc qui est parti. Voilà. Pourquoi a-t-il été déclaré comme personne disparue? Il a fugué. Fugué? Oui, sa famille a prévenu la police hier, mais ça fait déjà 3 jours qu'il a disparu. De plus, ce n'est pas la première fois qu'il fugue. Vraiment? Il a fugué en août dernier et a été retrouvé dans les environs il y a 13 ans. Il a 13 ans et s'appelle Matthew Crusoe. Crusoe ou Crusoe, je pense que c'est Crusoe en anglais et Crusoe en français. Enfin, si on le lit à la française. Préviens-moi si tu l'aperçois, d'accord? Bien reçu. Je dois aller au cottage, papa m'attend probablement. Fais attention à toi, Ashley. Pas de problème. Donc du coup, le petit garçon dont on parle est plus jeune qu'Ashley et il a l'âge qu'elle, elle avait dans le 1. C'est une petite information qui est pas ouf, mais ça va permettre de comprendre la relation entre les deux personnages. Il y a un vieux hangar à bateau avant le cottage de ton père, il est fermé pour rénovation, ne t'en approche pas. Pourquoi? Tu te rappelles de ces gens dont je t'ai parlé avant? Il leur arrive de traîner dans le coin. J'ai aussi vu un homme portant des lunettes de soleil un jour, il est peut-être avec eux. Compris, je m'approcherai pas du hangar à bateau. Je te fais confiance. Fais bien attention à toi. Jusque-là, rien d'anormal, tout va bien. On va pouvoir avancer un peu. Ah bah tiens, il y a machin là. Pouvoir lui rendre sa mallette. Dis-moi, Ryan, étais-tu avec papa mercredi soir? Mercredi soir? Non, je n'étais pas avec le directeur ce soir-là. Ok. Ryan! Ashley, que se passe-t-il? Le professeur Robbins est revenu? Non, il a dit qu'il ne repasserait pas. Il ne repasse pas? Non, il a encore du travail, il m'a dit de me rendre au cottage. Je vois. Il semblerait que le camping s'arrête prématurément. Oui, on dirait. Je vois. C'est dommage, j'aurais beaucoup aimé poursuivre notre petite discussion de tout à l'heure. J'aurais bien aimé aussi. Je vous ai rapporté votre mallette. Comme ça. Merci, c'est gentil d'avoir pris la peine de me la rapporter.
Ryan, est-ce que ta mallette était aussi sale avant qu'elle te la ramène? Ah, elle m'énerve! Regarde, elle est couverte de traces de doigts. C'est dégoûtant. Quoi? Cette mallette est très salissante. Elle est recouverte d'un film plastique sur lequel on voit toutes tes traces de doigts. Désolée de l'avoir salie. C'est sans importance, Ashley. Au fait, vous avez retrouvé le baladeur? Pas encore. Nous avons fouillé les environs, mais sans succès. Ah. Comme tu n'as plus besoin de moi au campement, autant continuer à chercher et à aider Elisabeth à chercher. Ryan, tu as fini de discuter. C'est sûrement passionnant de parler avec Ashley, mais on a du pain sur la planche. Le self-control dès que je parle avec elle, c'est horrible. Elisabeth, je te prierai d'attendre. Je t'aiderai quand j'aurai terminé. Très bien. Ashley, t'es-tu souvenue de quoi que ce soit de nouveau depuis notre discussion? Non. J'aimerais me rappeler tout ce qui s'est passé il y a 13 ans, mais rien ne me vient. Je vois. Si tu... J'ai passé les dialogues sans faire exprès, désolée. Ça doit être une véritable épreuve de se rappeler ce qui s'est passé 13 ans auparavant. En effet. Hé, hey Ryan, c'est qui cette Sayoko? Tu ne la connais pas, Elisabeth. Oh. Je pense que nous devrions aller chercher ailleurs. Ouais. Ashley, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir avant que tu partes. J'aimerais te parler davantage de Sayoko. Ce serait super. Express, efficace. Ok. Donc, alors. Tac. Bon, je peux même, si vous êtes chaud, hein, moi je peux continuer encore un peu, parce que finalement, je peux y aller plus vite que prévu à mon rendez-vous, et du coup, c'est cool, parce que c'est-à-dire que j'ai pas à me presser. Ça, c'est bien. C'est à droite ou à gauche? Non, après le pont couvert, je sais pas exactement c'est par où. Ça doit être le Lake Juliet. C'est très joli. Encore une fois, pour de la... Oui, le mélange dessin et un peu de 3D, je trouve vraiment que c'est plutôt... C'est plutôt agréable. Honnêtement, je trouve que c'est agréable. Alors là, par contre, quoique vous, dans le retour, je trouve que ça va. Moi, je l'ai sur mon écran. Je l'ai pas mis en plein écran. Je le vois, mais c'est vraiment... Il y a vraiment un peu de pixels. Après, j'ai pas du tout réglé mon émulateur. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, chaque fois que je me souviens de toi, un flot d'émotions m'envahit. Mais ça me rend un peu plus heureuse. Avant, je ne me souvenais que de la nuit de mon 3e anniversaire, mais depuis mon arrivée, de précieux souvenirs commencent à revenir. Ces souvenirs de quoi? De Sayoko devant le lac? D'accord. Donc, elle est déjà venue avec sa maman. Okay. Alors. Oh! Graphiquement, le jeu a bien vie. Oui, honnêtement, je trouve que c'est agréable. Visuellement, c'est pas vilain. Et même les interactions avec les objets, bon, encore une fois, c'est la maniabilité de la Wii qui est vraiment caca. Mais le reste, c'est quand même bien. C'est quand même agréable. Le gamin! La résolution de base de la Wii est pas dingue. Bah oui, parce que moi, de mémoire, j'y jouais sur un... J'étais encore sur mon écran cathodique que j'avais à la maison. Hein? Oh, bah tiens. C'est à moi que tu parles? Je vois personne d'autre. Qu'est-ce que tu me veux? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Hein? Tu te rappelles le grillage derrière l'accueil? Oh! J'ai une question à te poser. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique. Cet ours en peluche que tu tenais. Mon ours en peluche. Oh bah... Pas de problème! Oh putain! Il m'a fait peur. Oh! Non, non, pas encore lui! Oh... Gentil, toutou. Arrête un peu de grogner. Sinon, pas de friandises. Ok. Je vais les suivre. Bah, let's go. On va les suivre. Il y a quelqu'un, un homme, en costard. Au début, je croyais que c'était Ryan qui se cachait derrière l'arbre tout à l'heure, mais j'ai percuté qu'ils n'avaient pas les mêmes vêtements. Elle est habillée en noir aussi, mais... Ashley, qui c'est qui m'appelle? Encore lui, mais purée. Ah oui, alors, ça vient de me revenir. Dan, c'est le fil rouge de l'émission. C'est-à-dire que le mec, il est partout, tout le temps. Et en fait, régulièrement dans le jeu, des fois, tu le croises comme ça. Hey, il te donne une petite information, puis après, il se barre. Et tu le revois pas pendant tout le jeu, puis après, il revient. Pouf, il te donne une info, puis il se rebarre. Ashley, où vas-tu? Dan! Le cottage de ton père est par là. Oui, mais laisse-moi aller où je veux. Je viens d'apercevoir un homme louche et je voulais savoir où il allait. Un homme louche?
Oui, avec des lunettes de soleil. Il se dirigeait par là. L'homme aux lunettes de soleil se dirigeait par là. Alors attendez, je vais juste... Pousse, excusez-moi. Je me mets juste une alarme à... allez, à 15. On fait 15 petites minutes encore, tranquillement. Et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ashley, ce chemin mène aux vieilles mines. Plus personne ne s'en approche. Et tu devrais en faire autant. Ah, j'ai revu le gamin. Quoi, où ça? Ici même. Mais il s'est sauvé en me voyant. Il est donc resté dans le coin. Merci de m'avoir prévenu, Ashley. Je vais aller voir ce que fait cet homme. Rends-toi au cottage de ton père, c'est bien compris? Ben non, mais moi je voulais voir le petit garçon. Ah, mais du coup, je peux pas y aller, en fait. Ou si, je peux passer... Je suis déjà passée par là? Non, on n'est pas passé par là, je crois, tout à l'heure. Ah! Non, on n'est pas passé par là. Un vieux bâtiment, peut-être une maison abandonnée. Entrée de la maison abandonnée. Cul-de-sac. Ok. Les moments nuls de gameplay. Les moments qu'on déteste tous parce qu'on joue à la manette et pas à la Wiimote. Ouais. C'est les moments que... En fait, l'histoire est trop cool, les dialogues sont trop cool, l'énigme est... Enfin, le... Tout le plot est trop cool, mais les moments comme ça sont très chiants et très nuls. Ça... Il était déjà à l'époque, hein, je trouve. Parce que ça, on va pas me dire que c'est du gros gameplay. Hein, bon... Oh, allez, Ashley, elle est pas épaisse, elle passe là dans le trou, là, non? Allez, pépette, là! Allez! Allez, allez, allez! Franchement, là, elle abuse parce qu'elle passe de ouf. Elle passe carrément, là! Allez, allez, mes mères! Voilà. Ça suffira pour aujourd'hui. Je peux enfin entrer, cool. Maison abandonnée. Hmm. Pas de bruit. C'est bizarre. Même elle, elle a pas l'air trop sûre, genre. Y a personne. J'ai entendu quelque chose. Oui. C'est pour le côté gadget. Oui, oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est pas utile en soi. Mais en fait, c'est comme les... C'est un peu le fameux problème des énigmes de... Des énigmes au stylet ou les énigmes au micro de la DS. C'est pareil, en fait. C'est juste histoire de se servir des capacités de la console. Ce qui est quelque chose qui, moi, je trouve, marchait bien, hein, finalement. Je trouve pas ça désagréable. Mais juste, voilà. Pas forcément très utile. Ah! Non, moi je voulais parler des bouteilles en plastique. Donc c'est quelqu'un qui a... Quelqu'un est venu ici récemment. Je pense que c'est la planque du petit garçon. Mmh. Ah, le nounours. C'est mon nounours. Tu touches pas à mon nounours. Mon ours en plus, j'aurais été sûre. Je suis soulagée de l'avoir trouvé. Elle va encore faire yes, comme tout à l'heure. Oh. Hmm? À l'aide. Quel con. Y a quelqu'un là-dedans? À l'aide. Tiens bon, je vais te sortir de là. Ah bah oui, effectivement. Pas pratique du tout. Bah oui, monsieur, faut pas se mettre dans des trucs comme ça, c'est dangereux. J'aurais pu mourir. C'est ridicule. Alors, du coup, je donne toujours l'information parce que comme ça, c'est fait. Matthew, qui est donc le petit garçon avec qui on va avoir le plus d'interactions dans le jeu,
donc qui est le deuxième personnage principal du jeu. Là, on le voit pas parce que j'ai, y a le bandeau du dialogue juste au-dessus, mais déjà, il a le t-shirt bleu, et en fait, sur son t-shirt, il a un espèce de petit oiseau un petit peu stylisé ici, qui fait un peu rappeler la fameuse main de dés qu'il y avait sur son torse. Et même physiquement, au niveau du visage, il a des petits traits en commun avec dés, donc c'est petite référence au 1. Personnellement, c'est un truc qui m'avait beaucoup touché parce que dés est un personnage que j'appréciais énormément dans Another Code, le premier qu'on a fait ensemble. Et je trouvais que la ref était vraiment très cool. Je croyais que j'allais moisir dans ce trou. T'es fou de te cacher là-dedans. Mais quoi ? J'ai pas trouvé d'autre endroit où me cacher. Quelle idée d'abord de vouloir se cacher. Pourquoi tu as volé de la nourriture dans la remise? Ah, c'est simple, j'avais faim. Mais même quand on a faim, ça se fait pas de voler. Je suis désolée. J'avais rien mangé depuis hier, j'étais affamée. Eh bien, tu l'as cherché. Tu n'avais qu'à pas fuguer. Comment? Comment tu sais que j'ai fugué? Bon, il a 13 ans, je lui fais une voix un peu enfantine, mais bon, c'est pour histoire de modifier avec Ashley, parce que sinon je vais faire deux voix un peu féminines, ça va pas. Je le sais, c'est tout. J'en sais même plus, m'as-tu cru, Zoé? Bah oui, forcément. On connaît son nom. Ouais, vous le voyez, son petit t-shirt là avec la marque? Comment connais-tu mon nom? Qui te l'a dit? Je peux bien te le dire, ce n'est pas un secret. Mais d'abord, tu vas devoir répondre à quelques questions, d'accord? D'accord. Premièrement, qui t'a donné l'ours en peluche que tu portais? Je l'ai trouvé. Trouvé? Où ça? Là où la maison a brûlé. Deuxièmement, comment es-tu entré dans la remise de l'accueil? Tommy m'a dit que la porte était verrouillée en permanence. Je l'ai ouverte avec mon passe de camping. Dernière question, le chien qui me barre le chemin à chaque fois que je me lance à ta poursuite, c'est le tien? Non, il me suit partout. Je sais pas pourquoi ce chien errant semble s'être attaché à moi, mais c'est pas le mien. Ok. La maison qui a brûlé, où se trouve-t-elle? Près de l'entrée du camping. Tu parles de la maison incendiée? Ouais, c'est là que j'ai trouvé l'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est mon ours en peluche. Il était dans mon sac quand je suis arrivée ici. Ton sac? Oui, un sac blanc avec un lapin rose dessus, le logo de la marque Pinky Rabbit. Un lapin rose? Ce sac, il était aussi dans les ruines. C'est vrai, tu l'as vu? Oui, dans les ruines de l'incendie. Hein? Déjà, on sait où est le sac, ça c'est une bonne nouvelle. Où tu t'es procuré le passe du camping? Je l'ai trouvé. Grâce à ce passe, j'ai pu entrer dans la remise. Je te donne ma parole, il était là par terre à côté d'un baladeur. Un baladeur? Oui, je l'ai également ramassé. Mais les piles sont déchargées, alors je l'ai jeté. On sait qui c'est au moins. C'est vraiment un chien errant? Oui. Il erre dans le coin depuis hier. Je lui ai donné quelque chose à manger et maintenant il me lâche plus. Ah, c'est tout ce que tu voulais me demander? J'ai plus d'autres questions en tête. Bon, bah à mon tour. T'as quelque chose à me demander? Premièrement, comment tu t'appelles? Bah oui. Ashley. Ah, oh, elle redonne encore son putain de nom, son nom composé de merde. On sait que tu t'appelles... Mais vous imaginez, à chaque fois que vous présentez à quelqu'un, vous donnez votre nom. Déjà, même donner son nom de famille, c'est un peu bizarre. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas pas dire « oui, alors je m'appelle, machin ». Mais en plus, donner ton deuxième prénom, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Dis-moi, Ashley, comment sais-tu que j'ai fugué? C'est le garde forestier qui m'a parlé de toi. Hein? Il m'a montré une photo de toi et m'a demandé si je t'avais aperçu. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je t'avais vu, bien sûr. Quoi? Enfin, pas la peine de t'énerver comme ça, je t'ai vu, quoi, pourquoi lui mentir? Elle est fière de ses origines japonaises. Non mais, d'accord, mais bon. Mais... Tu pensais pouvoir fuir de chez toi comme ça sans que personne ne fasse rien? Après avoir fait la même chose l'an passé en plus? Ah, tu sais ça aussi? Eh oui. Alors pourquoi tu as fui? Ta famille est morte d'inquiétude. Ah, tu parles. Si mon oncle s'inquiète tellement, pourquoi il ne vient-il pas me chercher lui-même? Il sait pertinemment que je suis ici. Ton oncle? Le frère de mon père, je vis avec lui. Et tes parents? Ma mère est morte d'une maladie et mon père, il a disparu il y a 5 ans. Disparu? Ouais, c'est pour ça que je suis ici. Tu as fugué à cause de ton père? Oui, il y a une chose dont je dois m'occuper ici.
Et du coup, en fait, on rejoue un peu le jeu du 1 qui était de bah, vouloir retrouver la mémoire de D. Là, on veut juste aider Mathieu dans sa quête à lui, en fait. C'est le même principe que le 1. On est dans une espèce de double quête d'identité, un peu, pour les deux personnages, du coup. Tu pourrais être plus précis ? Bonjour, Miss Vegara de mi vida y pitufos con salsa y de manera. Non, alors mon nom de famille complet est très long avec des noms espagnols, mais du coup j'ai des amis qui, quand ils le disent, ils se foutent de ma gueule en rajoutant pareil plein de noms comme ça. C'est vrai que ça fait bizarre. Bah ouais. Des indices pour quoi faire ? Pour retrouver la trace de mon père. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ashley, tu sais garder un secret ? Si je sais garder un secret, ouais, bien sûr. Dans ce cas, je vais te dire. Je recherche mon père qui a été enlevé. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il a été enlevé ou pas ? On sait pas. Quoi ? Ton père a été enlevé ? Ouais. Ashley, mon père est très riche. Ouais, ce truc-là, je suis jaloux. À ce point ? Ouais, il roule carrément sur l'or. Et alors ? Il a été enlevé ici, il y a 5 ans. Enlevé par qui ? Par des kidnappeurs, quelle question ! Une vraie bande de criminels ! C'est la société Nil qui vend des œuvres d'art ! Non, on s'est trompé de jeu, merde. Ils ont demandé une énorme rançon en échange de sa libération. Mais mon oncle a refusé de payer, alors mon père est jamais revenu. Il a été porté disparu, il est toujours vivant quelque part, j'en suis certain. Tu veux une nuit ici pour le retrouver, pour chercher des preuves qui te mettront sur sa piste ? T'as tout compris. Mais pourquoi ton oncle a-t-il refusé de payer ? Tu m'as pourtant dit que ton père était très riche. Ouais, mon père est riche, mais pas mon oncle. Et seul mon père possède la clé du coffre. Écoute, Mathieu, je sais pas si ton père est riche ou quoi, mais je comprends les raisons de ta venue. Je te donne ma parole, mon père s'est fait enlever parce qu'il est riche, et moi j'essaie de le retrouver. Mon père est super riche, C'est bon, j'ai compris. Ton père est très riche, bla bla bla. Ashley, est-ce que tu me crois ? On va dire oui, parce qu'il a 13 ans et qu'on va pas faire un conflit avec un petit garçon de 13 ans. Oui, oui, je te crois. Vraiment ? J'hésite. Comment ça, j'hésite ? Ah, un père riche qui se fait enlever, ça fait un peu série américaine, non ? J'ai du mal à y croire. Oh, mais il a l'air tout triste, du coup. Ashley, quel âge as-tu ? J'ai 16 ans. Ah, 16 ans. Y a un problème ? Je me demandais si tout le monde devenait comme toi à 16 ans. À quoi rythme cette remarque ? Dès que quelqu'un te raconte quelque chose, t'es persuadé que c'est un mensonge. Je veux pas devenir comme ça, je veux plus jamais avoir 16 ans. Mais ça m'est bien égal que tu me crois ou non, je m'en fiche. Moi, je me les boue. Mathieu ! Super. Ça m'est bien égal que tu me crois ou non ? Quel mal élevé celui-là ! Je me fiche bien de son opinion, mais j'aimerais bien retrouver mon sac. Elle a vraiment genre juste une option dans sa tête. Elle veut juste retrouver son sac et basta. Alors j'essaye. Voilà. Faudrait peut-être que j'essaye de baisser la sensibilité du curseur pour que ce soit plus maniable pour la prochaine fois. Parce que voilà. Ok. Alors. Partie sauvegardée. Ça, c'est cool. On va se remettre. J'aime le fait que tu choisisses le fait de croire et qu'au final tu le crois quand même pas. Ouais, c'est un peu à double tranchant. Genre, c'est mi on te laisse le choix, mi c'est quand même amené. Mais de toute manière, c'est un peu normal vu le jeu, comment il est quoi. Mais bon, c'est quand même un jeu qui a un petit peu d'âge, hein, faut pas oublier. Je vais remettre un petit peu de musique. Attendez deux secondes. Je gère juste mon truc là. Hop, j'arrête l'émulation. Et on se met en caméra de fin de stream. Voilà. Donc, c'était très très cool de découvrir Another Code parce que je pensais pas que ça allait être aussi chill vraiment et sympa de revenir sur la franchise. Je pensais vraiment, quand on a terminé le premier opus, je m'étais dit c'est un peu rapide et tout, je sais pas, machin. Et au final, là en tout cas, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le R, je trouve qu'il va être intéressant à faire. Encore une fois, c'est ce que je dis par rapport au programme. Je reste quand même en alternance d'Another Code et d'Hotel Dusk, les deux en même temps. Et du coup, c'est ce que je disais par rapport au programme que je vais vous montrer juste après. La semaine prochaine, normalement, il y aura ni l'un ni l'autre. Parce que du coup, il y a
trop de trucs qui arrivent sur la chaîne, ce qui est cool, hein, parce que mon but, c'est vraiment de faire des trucs qui vous plaisent, mais qui me plaisent à moi aussi. Et j'avais vraiment envie de rajouter des petites choses à mon programme, sans non plus supprimer les trucs qui fonctionnent. Donc, par exemple, Fallout Alice, qu'on est encore en train de faire. C'est vraiment des programmes que je sais qui fonctionnent plutôt bien et que vous aimez bien, donc tant mieux. Donc c'est ça l'intérêt de pouvoir un petit peu changer les goûts et les couleurs, c'est sympa. D'ailleurs, je peux déjà vous remettre pour ceux, je suis un peu biaisée vu que je l'ai fait à l'époque, où je suis très contente de voir le jeu. Bah forcément oui, quand on connaît le jeu, soit on a des réminiscences d'avant si on y a joué avant, soit il y a aussi de la découverte, hein. Je sais qu'il y a des gens parmi vous que soit ici, oula, mon chat est très gros, faut que je répare mes box de chat qui en fait c'est la même que j'utilise à chaque fois que je modifie, c'est complètement con, mais à chaque fois j'oublie, c'est pas grave. Du coup je peux vous remonter très rapidement le programme de la semaine prochaine, parce que là la semaine n'est pas terminée. Demain on joue à Alice comme à la même horaire que la semaine prochaine. Ça c'est, je répète, hein, le programme que vous voyez là maintenant, c'est pas la semaine qui est là, puisque voilà, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, en fait ce week-end je suis pas là, donc le dernier stream de la semaine ce sera demain avec Alice, et après on enchaîne ce programme là. Donc on a Fallout à 20h lundi, mardi rien, mercredi je prie pour pouvoir faire en sorte d'avoir Medieval d'opérationnel pour pouvoir le continuer, puisqu'hier j'ai eu des petits problèmes avec mes PS4, mais ça devrait être réglé normalement. Jeudi on se commence une run d'Undertale, oui, en Pacifique, oui, ça va être très dur, oui, mais ça va être très cool. Donc j'ai trop hâte de jouer à ça avec vous. Vendredi, on continue Alice parce que ça fonctionne bien. Et samedi, il y aura le premier épisode de La Ref. Donc le concept, je vais vous le remettre. Non, je me suis trompée de scène, pardon, désolée. Je vais vous remettre le petit lien Twitter qui est très très cool. La ref, ouais, alors c'est très con, j'ai improvisé le nom du truc et je suis très contente parce que je trouve que ça sonne très très bien. J'ai complètement perdu mon lien, qu'est-ce que ce fuck ? Attendez, hein, j'arrive. Toc toc toc. Pourquoi je retrouve pas ? Je ne retrouve pas mon lien. Ah voilà. Tac tac, oup, plouf, voilà, j'ai trouvé. J'ai oublié d'en parler à Dolly. Bah écoute, Tabasco, si t'as l'occasion, je vous refile le lien du tweet. Donc je rappelle que la ref, y aura un premier post sur les réseaux sociaux, je le ferai vraiment tourner partout comme d'habitude, soit sur Discord et sur les réseaux sociaux. Le lien du tweet en question que je lancerai avec l'œuvre de la semaine. Donc il y aura, ça va être un tableau, j'hésite entre plusieurs, mais bon, je vais me fixer d'ici quelques jours. Donc mercredi prochain, je vous envoie le tweet avec le tableau. En réponse de tweet, vous me balancez vraiment... Alors, essayez de réfléchir un peu, le but, c'est pas juste de balancer des jeux au hasard, hein, parce que à la fin, il faut qu'il y ait deux et quand même un rapport, en tout cas, selon vos yeux à vous, de jeux. Préférence rétro, mais pas que. Je peux essayer d'avoir des jeux récents, mais dans la mesure du raisonnable, hein, bien sûr. De toute façon, je vous dirai, hein, si j'ai réussi ou pas à l'avoir. Vous m'envoyez ensuite de tweet les jeux qui vous font penser à l'œuvre. Et le samedi du programme que vous avez vu, il y aura le premier épisode de la ref où on reparlera et de l'œuvre et des jeux que vous avez envoyés qu'on va pouvoir tester tous ensemble. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte d'essayer ce concept qui je pense peut être très très cool, le truc de mélanger des tableaux et des jeux. J'ai trop hâte parce que je vous parlerai de ça, c'est vraiment super intéressant. J'ai des ouvrages à vous montrer sur le sujet, enfin j'ai plein de trucs, plein d'idées, ça va être trop trop bien. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Là on est un petit peu, j'ai actualisé le chat sans faire exprès, d'accord, bien sûr Mélina, pas de problème. Donc j'espère que ça va être cool et que ça marchera et que vous serez au rendez-vous, parce que je pense que ça peut être vraiment super chouette, en plus de découvrir plein de jeux que je connais pas, sachant que moi je suis du genre à jouer tout le temps à la même chose, donc ça pourrait être très très cool. Et voilà, le temps file, moi je dois y aller. Est-ce qu'on se lance pas un bébé raid, même si on n'est pas beaucoup, histoire de finir tranquillement? Oh, on peut faire ça parce que j'ai une petite camarade qui stream, qui est très choupie. Qui stream très régulièrement plein de trucs différents, très très cool, qui est en train de stream en ce moment. Elle joue
à As Far As The Eye, qui est un jeu de gestion très très sympa. Donc je vous envoie sur le raid d'Alex Will. Faites un petit coucou, voilà, histoire d'encourager un petit peu les copains qui démarrent tout ça, bref. Et puis moi je vous fais des petits bisous. On se voit demain pour Alice et ce soir, bah après Discord et tout ça pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, avec grand plaisir parce que je suis très productive en ce moment et très présente et je suis très contente de ça. Donc je vous fais des bisous. Merci d'être passé, c'était très sympa. Moi qui avais un petit peu peur de l'horaire, c'était très calme et très cool, c'était très chill. Je suis ravie. Bisous, prenez soin de vous et à demain. En plus, je t'avais mis en fond. Je sais pas si ça se voyait. Mais je t'avais mis en fond. Comment ça va? Lui ramasse du bois et lui il va ramasser tout à l'heure. Ça s'est bien passé ton live? T'étais sur quoi déjà en plus que je t'avais mis en fond à un moment donné? Je sais plus. Salut Astérial, bienvenue. Ah oui, Another Color. Voilà, ça je me disais, ça ressemble à. Le dessin me disait quelque chose, mais je connaissais pas. Voilà, c'est ça. Bienvenue, installez-vous. Merci beaucoup pour ton raid. Donc, nous sommes sur As Far As The Eye. C'est un petit jeu indépendant, tour par tour français. Il y a Zerator qui est derrière la construction de ce petit jeu.